de votre patience. Je vais vous en demander encore un tout petit peu, quelques minutes, parce qu'on a un intervenant qui a du retard, qui est dans le train, enfin qui est plus dans le train normalement, qui est arrivé à la gare de Lille. Donc il a quelques minutes de retard, il s'en excuse. Et voilà, on attend, hein. On prend notre mal en patience, on va faire un petit peu d'heure sup d'entrée de jeu. C'est le thème de la soirée. Merci à vous. Vous pouvez continuer à causer entre vous, faites connaissance, profitez-en. Vous voulez chanter une chanson? Ah bon, non. On peut, hein. À la fin, à la fin. C'était pas trop long, hein. Non. Bonsoir à tous. Alors, on va démarrer très vite le sujet. On va rentrer très vite dans le vif du sujet qui vous intéresse et qui vous réunit ce soir. Le lien ténu entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Avec nos intervenants, je vous présenterai dans quelques instants. Mais auparavant, je voudrais que vous nous disiez quelques mots. Madame Brigitte Moroy, vous représentez ce soir Xavier Bertrand, qui s'est excusé. Et vous êtes conseillère régionale. Et vous me disiez à l'instant, je suis aussi médecin. Donc c'est un sujet qui me touche. Je vous laisse la parole d'ouverture, Brigitte Moroy. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Ma présence ici ce soir est faite pour signaler l'intérêt que prend la région aux discussions qui vont avoir lieu dans un petit instant sous l'égide de la Mutualité française. Je pense que le problème de la santé au travail est un sujet qui m'intéresse personnellement beaucoup, puisque, vous venez de le dire à l'instant, je suis médecin, je suis professeur à la faculté de médecine, qui intéresse aussi beaucoup la région, et c'est la raison pour laquelle Xavier Bertrand a tenu expressément à ce que la région soit représentée ce soir pendant cette réunion. En effet, vous n'ignorez pas que lors de son mandat de ministre du Travail, de l'Emploi et de la Santé, il avait contribué à la mise en place du Plan Santé-Travail 2, qui évidemment mérite maintenant d'être retoiletté et prendre plus d'importance. Je pense que dans le domaine de la santé au travail, il y a deux pans qu'il faut envisager peut-être de façon complémentaire. Un plan national, parce qu'évidemment, une quantité de mesures utiles dépendent de décisions qui seront nationales dans le domaine de la santé, et je pense notamment à l'intérêt qu'il y aurait sur un plan national à redonner d'abord toute la place qu'ils méritent aux médecins de la santé. Les médecins du travail sont en effet depuis quelques générations de médecins les parents pauvres de notre pan d'activité médicale, et je crois qu'on ne peut pas faire de bonne prévention dans le domaine de la santé au travail si l'on ne redonne pas la place qui leur revient aux médecins du travail. Ça, c'est vraiment un souci qui est national et que probablement on ne pourra pas traiter ici ce soir parce qu'elle dépasse largement, ce point dépasse largement l'ordre du jour que vous devez de respecter. Mais au plan régional, et c'est le motif de ma présence ce soir, c'est la raison pour laquelle Xavier Bertrand a voulu que la région soit représentée, je pense qu'il existe un grand champ d'investigation et un grand champ de propositions surtout, parce que pour ceux qui savent la place réservée à la prévention dans le domaine de la santé, dans le programme que Xavier Bertrand avait présenté très récemment, ne serait-ce que pendant toute la campagne électorale qui s'est déroulée il y a seulement quelques semaines, eh bien, le volet prévention est un volet essentiel. Et évidemment, la prévention dans le domaine de la médecine du travail, dans le domaine de la santé du travail, mérite évidemment notre intérêt. C'est un domaine qui peut se décliner à l'échelon régional et je suis tout à fait intéressée par les discussions qui vont avoir lieu dans les minutes qui viennent, parce qu'il va de soi que si les propositions qui résultaient de cette discussion pouvaient nous amener à bâtir quelque chose d'efficace dans le domaine de la prévention, eh bien, je me ferai fort, évidemment, de retransmettre ces propositions à Xavier Bertrand et de voir comment nous pouvons les appliquer dans le champ de la prévention de toutes les maladies qui intéressent ou qui frappent ceux qui travaillent. J'ai eu une discussion il y a très peu de temps, vous m'avez dit 2 minutes, j'ai encore 30 secondes et je termine. J'ai eu une discussion il y a très peu de temps avec un sociologue dans le domaine de l'activité médicale qui est la mienne, et il m'a dit quelque chose qui m'a paru très intéressant. Il m'a dit: notre société est devenue socio-parétique. Alors ce terme un peu barbare, qui est quand même très médical, me paraît au fond fonder les discussions que vous allez avoir. La société dans laquelle nous vivons, c'est-à-dire les gens qui sont donneurs d'ordre, aussi bien au niveau national qu'au niveau régional, ne font pas en sorte que le citoyen qui en a besoin puisse être touché par les actions de prévention ou les actions médicales que nous voulons mener. Il faut que l'on sorte de nos habitudes, il faut que l'on sorte de notre façon traditionnelle de gérer les problèmes médicaux pour aller nous rapprocher au plus près de ceux qui en ont besoin. Et naturellement, une entreprise, quelle que soit sa taille, représente bien évidemment un domaine vers lequel nous devons aller pour essayer de mettre en place la prévention. En tout cas, c'est ce que je souhaite, c'est ce que Xavier Bertrand souhaite. Et il est clair que dans le cadre de son mandat de président de la région Nord-Pas-de-Calais, Picardie, de la région Hauts-de-France maintenant, il aura très à cœur de mener cette prévention qui peut effectivement se dérouler, au moins pour un premier pas, dans le champ de l'entreprise. J'en termine là. Je pense que le temps de parole dont je dispose ne doit pas s'éterniser parce que l'intérêt va venir des discussions qui vont se dérouler maintenant et je suis sûre qu'elles vont être très riches. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Brigitte Moroy. J'ai dit 2 minutes, comme on dit une paire chez nous. Vous savez, une paire, c'est jamais 2, hein. C'est toujours beaucoup plus et c'est très bien. Merci beaucoup pour cet éclairage et cette mise en route donc, de cette soirée qui est organisée par la Mutualité Française Nord-Pas-de-Calais avec le partenariat des mutuelles Apreva, Harmonie, Coralis, MGEN, SMH, également Lille Grand Palais, la Voix du Nord et France Bleu Nord. Alors, la Mutualité Française en région sont 2 millions de personnes protégées, 4000 collaborateurs, 138 services de soins, optique, audio, dentaire, pharmacie, on en passe, et non des moindres, 150 actions de prévention sur tout le territoire chaque année. Alors, cette soirée termine une journée qui a concerné particulièrement les professionnels. Il y a eu des conférences, des ateliers, des tables rondes, 130 professionnels. Ça veut dire des entreprises, des médecins, des syndicats, des kinés, des ergonomes, aussi des CHSCT, ça c'est important aussi, hein, le terrain, quoi. Dans les professionnels qui étaient là, enfin, représentés, eh ben, y avez vous, par exemple, on va parler de vous, Lydie Recorbet, dans quelques instants. Les sujets qui ont été abordés, ce sont les nouvelles technologies avec vous, mais aussi les troubles musculo-squelettiques, le management de proximité, les horaires décalés, bref, des tas de choses que vous êtes peut-être nombreux à connaître, puisque c'est quand même le sujet de cette soirée. Le thème est clair, vie professionnelle, vie personnelle. Je me sens mieux au travail, ça c'est le projet, et c'est surtout comment concilier tout ça. Alors, pourquoi cette soirée? Parce qu'avec l'apparition de ce qu'on appelle les nouvelles technologies du travail, tout ce développement des nouvelles technologies, les smartphones, les boîtes mail, enfin tout, et tutti quanti, hein, j'en passe et non des moindres, la limite entre le monde professionnel et la sphère privée s'efface progressivement, voire parfois disparaît. C'est difficile de laisser son boulot, la porte du boulot, et de ne pas le ramener à la maison. Ça va être le sujet donc, de cette soirée, avec nos intervenants. Je vais vous présenter tout de suite, et avec vous aussi, qui aurez la possibilité d'intervenir et de poser des questions tout au long de ce moment. On a 2 petites heures à passer ensemble. Alors, le professeur Paul Frimat, qu'on a déjà rencontré pour une soirée concernant le stress et le burn-out, on est un peu dans la même thématique, sauf qu'on a là un sujet de base. Vous êtes professeur à l'université, médecin, à la tête du conseil scientifique de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, d'alimentation, d'environnement et du travail, tant qu'à faire, puisque c'est le sujet du soir, hein. Le professeur Pascal Desrumaux, qui enseigne la psychologie du travail et des organisations à Lille 3. Vous avez créé également beaucoup d'ouvrages sur le sujet. Je vous les cite dans l'ordre, hein, comme ça, vous n'êtes pas perdus. Lydie Recorbet, que j'évoquais à l'instant, puisque vous avez déjà, vous, bossé aujourd'hui. Vous faites des heures sup, hein, ici. Vous êtes chargé de mission à l'ORSE, l'Observatoire de la responsabilité sociétale des entreprises, et vous nous direz évidemment de quoi il retourne, comme on dit. Et Christian Alliès, directeur de l'ARACT Nord-Pas-de-Calais. L'ARACT, c'est une association, et vous êtes en affiliation avec l'ANACT, c'est ça, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Merci d'être là, tous les 4, pour aborder ce sujet qui nous concerne tous, directement ou indirectement. Professeur Paul Frimat, je sais que vous avez relevé des mots importants dans la thématique de cette soirée et que ben, vous allez nous les développer avec votre ressenti et vos connaissances sur le sujet. D'abord, bonjour à toutes et à tous. Merci effectivement aux différents organismes et mutuelles d'avoir organisé. Merci à Madame Moroy de ces mots. C'est vrai que j'espère bien que le Conseil régional va s'intéresser à la santé-travail, car je milite effectivement depuis très longtemps sur le développement de ces champs, en particulier dans les TPE et les PME, qui sont quand même le corps du milieu économique. Alors, c'est vrai que quand les mutuelles m'ont souhaité que j'intervienne, mon planning était très chargé. Ce matin, j'étais à Paris, ce midi à Arras et ce soir à Lille. Et effectivement, c'est intéressant parce que les conférences se télescopent, se rapprochent et, si j'ose dire, ce matin, je parlais, je vais vous dire, du droit à la déconnexion. Donc, on n'est plus très loin, effectivement, des mots qu'on va utiliser. Et vous le savez sans doute, demain, il y a ce qu'on appelle les journées parlementaires santé-travail, où là encore, comme Mme Moroy le disait, on va reparler, entre guillemets, du plan national santé-travail, puisqu'effectivement, M. Bertrand a été à l'initiative du PNST2, mais surtout à l'initiative de la loi de 2011, qui a été pour moi la troisième révolution, entre guillemets, du système santé-travail, et qui l'a remis sur les rails, parce que la santé-travail est-elle une médecine d'assurance ou de réparation, ou la santé-travail est-elle une médecine qui fait partie des politiques de santé au sens santé publique? Mais ce n'est pas l'objectif d'aujourd'hui. On pourra en discuter, j'allais dire, dans les questions. Moi, j'ai repris le document papier qu'on m'avait transmis, et puis j'ai lu les mots. Alors, les mots, je les ai repris. Qualité de vie au travail. Ça, c'est un mot qui est cher à Christian et à l'ANACT. Quand je suis pervers, je me demande pourquoi on a inventé le mot. Surtout que ça venait après les RPS et après les TMS. Donc il y a des moments, je me dis, on invente des termes, mais est-ce qu'on fait changer les évolutions en termes d'organisation du travail dans les entreprises? Qu'est-ce qu'on se pose comme question? Bien-être. Ah, bien-être, c'est les Belges. C'est les Belges qui ont inventé le terme bien-être. Il y a quelques années. Au lieu de parler de santé-travail, on parlait de bien-être au travail. Quand on regarde le système actuel en Belgique, je préfère être en France. Parce qu'effectivement, tout le système santé, médical, est passé sous la tutelle de l'ingénieur. Puis après, on voit des mots. Performance, ça c'est la mode. Reconnaissance, épanouissement. Et dans le même temps, on lit des mots qu'on a déjà traités. Stress, burn-out, ça fait plaisir à tous les journalistes, ça fait du papier, puis ça fait des émissions, et ça fait des souffrances. Et puis, effectivement, j'ai repris comme vous, je me sens mieux au travail. Alors la question que je me suis posée quand j'ai vu tous ces mots, je me suis dit, pourquoi veut-on faire une soirée sur comment concilier vie professionnelle et vie personnelle? J'allais dire, la problématique professionnelle, je n'ai que 42 ou 43 ans d'activité professionnelle, ça existait déjà, cette difficulté de lien. Et je pense que nos parents et nos grands-parents avaient aussi leurs contraintes particulières en vie personnelle et en vie professionnelle. Et pourquoi donc la question, et c'est vrai qu'on a nos collègues des sciences humaines, ça serait intéressant de voir si on peut réfléchir sur cette approche, c'est qu'est-ce qui fait que cette problématique vie professionnelle, vie personnelle est plus importante à l'heure actuelle? Bien sûr, j'ai des réponses, mais c'est peut-être pas forcément les bonnes. Mais qu'est-ce qui fait que ça sort actuellement? Parce que si j'ai un œil très macro par rapport à la santé-travail, les accidents de travail, il y en a moins. Maladie professionnelle, il n'y en a pas moins. Mais comme c'est un élément statistique, il suffit d'ouvrir un tableau et puis hop, vous faites augmenter le nombre de maladies professionnelles. Mais il y en a des maladies professionnelles. Des souffrances, il y en a, on en a parlé. Du mal-être, il y en a en entreprise. Mais je lisais un livre il y a quelques jours sur ces problématiques de souffrance et qui m'a interpellé parce que le psychologue disait, ce qui est curieux en France, c'est quand il y a un problème dans une entreprise, des problèmes d'organisation, des problèmes relationnels, etc., 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 on va voir le psy. Et la question que je me pose, c'est est-ce qu'effectivement, tout notre système, on n'est pas capable de se poser des vraies questions, comme ce soir? Comment je fais pour que mon organisation du travail soit pertinente, non aléatoire, non intrusive par rapport aux salariés? Et comment, effectivement, j'arrive à allier vie professionnelle, vie personnelle? Alors, c'est vrai que la problématique de la santé-travail, et là je rejoins Brigitte Moroy, on l'a toujours cantonné à faire de la visite médicale en termes de réparation. On ne lui a pas forcément donné les moyens de faire de la prévention. Alors, je dirais, pour moi, il y a deux questions. C'est quoi les enjeux de l'entreprise? Et ce matin, c'est ce que je disais dans les grands groupes du CAC, là. C'est quoi vos besoins de santé d'entreprise? C'est de faire des visites médicales ou c'est de répondre, j'allais dire, à une performance individuelle au sens, je veux dire, je suis bien, donc je peux être performant et collectivement, on est performant, etc., etc. Bon. Et derrière, c'est arrivé à faire comprendre aux employeurs que la problématique santé-travail, c'est pas un coût, c'est un investissement. Mais je reviens à ma question initiale. Pourquoi ça sort maintenant? Sans doute parce qu'on est une société qui va plus vite que son ombre, qui va avoir fini avant d'avoir commencé. Et c'est sûr que les nouvelles technologies dont on va parler ont été un élément déclenchant. Il y a encore 30 ans, quand on recevait un courrier, on pouvait se permettre de dire qu'il n'était pas arrivé. Il y a 15 ans, quand on recevait un fax, oh, la machine était en panne. Et puis, ça prenait du temps. Maintenant, quand on reçoit un mail, il faut presque avoir répondu. Et puis, avec l'intelligence que l'on a de mettre en copie tout le monde en copie, tout le monde en copie, on se retrouve effectivement avec une espèce de rotation permanente, là, où tout le monde se sent épié, surveillé, où on se dit, il faut que je réagisse, parce que si je ne réagis pas, on va voir que je ne réagis pas. Donc, c'est que je ne travaille pas, etc., etc. Et c'est vrai que ce matin, je pousser les employeurs à faire comme dans certains États aux USA, à avoir cette problématique de droit à la déconnexion. Dans certains États, aux États-Unis, vous avez effectivement des entreprises qui interdisent les mails à partir d'une certaine heure. Alors, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est vrai que si vous êtes à Washington et que vous devez converser avec Paris, il y a bien un moment où il va falloir marcher sur vos plates-bandes. Mais ça, c'est prévu. La même chose, ce matin, certains employeurs me disaient « Mais oui, mais nous, on fonctionne 24 heures sur 24. » Et effectivement, une des propositions pertinentes, j'ai trouvé, c'était que le logiciel qu'ils ont fabriqué interpelle le manager quand il est 22 heures ou 23 heures en disant « Est-ce que vous êtes sûr que c'est maintenant qu'il faut l'envoyer, ce mail ? » Et pas plutôt demain ou lundi, etc., etc. Derrière, c'est vrai que cette nouvelle technologie, c'est quand même un gain énorme, mais c'est aussi une pression extraordinaire, dans le sens qu'on veut toujours aller de plus en plus vite. J'ose pas demander le nombre de personnes qui ont encore leur téléphone portable allumé, en se disant, si jamais il se passe quelque chose, je vais être au courant. Certains ont leur tablette sur les pieds, ou les genoux plutôt, parce que les pieds, c'est bas, hein, éventuellement. Donc derrière, c'est vrai, j'ose pas dire qu'on est rentré dans une problématique d'addiction aux nouvelles technologies, mais c'est vrai qu'on pourrait plus vivre sans, et je le dis très sincèrement. J'ai mon téléphone, c'est vrai qu'il est toujours sur vibreur, donc comme ça, il sonne jamais, et je réponds quand j'ai le temps de répondre, mais derrière, c'est quelle société a voulu-t-on construire? Et notre société et nos entreprises se sont adaptées au dispositif à partir du moment où il fallait effectivement avoir cette performance, avoir cette lisibilité, cette traçabilité en termes de décision. On s'est effectivement adapté au dispositif. Et puis dans un certain nombre de cas, oh, celui-là, il a un téléphone comme ça, oh, je vais essayer de l'avoir. On est envieux de la technique. On essaye d'avoir le plus du plus, etc. J'avais dit à ma journaliste préférée que je ne parlerai pas plus de 10 minutes. Donc, je suis presque aux 10 minutes. Je voudrais juste poser deux questions. La question, elle est, puisqu'on m'a bien dit, vie professionnelle, vie personnelle, vie professionnelle. Oui. Il est évident que je n'ai pas du tout, j'allais dire, enclenché une réflexion sur la problématique du non-travail, etc., etc. C'est comment peut-on, en tant qu'individu, ayant une activité de travail, garder une activité ou protéger sa vie personnelle. Personnellement, je l'ai toujours dit à tous les médecins et aux internes que j'ai formés, si vous voulez vivre votre vie professionnelle à fond, il faut que vous gardiez un équilibre. Équilibre qui associe vie professionnelle, vie familiale ou personnelle, vie associative, vie politique, vie tout ce que vous voulez. Si vous n'avez que le travail, c'est vrai que on n'a qu'une source d'information, on n'a pas de moyens d'évacuation derrière, et on n'a que cette représentation-là, on veut. Et personnellement, j'ai toujours milité, en particulier dans le corps médical, pour éviter les burn-out des médecins. Sachez, comme je dis aux internes, sachez faire autre chose. Un peu de culture, un peu de musique, jouer au ball, tout ce que vous voulez, je n'ai pas d'état d'âme. Mais derrière, et c'est la même chose pour chacun d'entre nous, salariés, la vie au travail, c'est très important. D'ailleurs, plus de 50% des gens disent qu'ils aiment bien quand on regarde les baromètres des différentes mutuelles. Il faut arrêter aussi de dire que le travail, ça entraîne des souffrances, c'est dramatique, etc., etc. Ça nous permet quand même à tous de vivre, pour ceux qui ont un travail. Ça nous permet effectivement d'avoir une valorisation. Donc, derrière, c'est vrai que ce travail, ça permet effectivement d'avoir cette reconnaissance, mais j'allais dire, l'impact des nouvelles technologies, l'impact de l'évolution de notre société fait qu'on a cette sensation de vouloir aller plus vite que ce qu'on nous demande, et il faut bien reconnaître que certains managements, c'est un peu leur technique. Et une des vraies questions qui va se poser, mais alors là, j'allais dire, qui est une question de société, il y avait un mot « performance ». Mais la performance pour qui? Notre société, effectivement, elle élabore une activité de travail qui, personnellement, fait que ça permet à un collectif de travail d'avancer. C'est vrai que nos organisations, et là je reprends des analyses qui ont été faites par l'ANACT et par la DARES au ministère du Travail, où on s'aperçoit qu'on a un système d'organisation du travail qui est très pyramidal et très hiérarchisé, avec effectivement cette notion qu'on répond à des exigences, alors je vais utiliser un mot qui n'est peut-être pas le bon, mais d'actionnaires. Et donc derrière, c'est vrai que nos organisations ne correspondent plus du tout au collectif. Et on est en train de courir, et on court, et on court. Derrière, c'est essayons, chacun d'entre nous, facile à dire, pas facile à faire. Essayons de garder cet équilibre. On rentre chez nous, on va quelque part dans une association rencontrer des autres plutôt que de rester devant la télé, puisqu'il paraît que nos enfants sont des champions de la télé, qu'ils ont grossi à cause effectivement des 10 heures ou des 12 heures de spectacle, etc., etc. Donc c'est vrai que moi personnellement, alors, je suis du milieu associatif, donc je milite pour cette chose-là. Mais c'est bien parce qu'on a surtout dans notre région Nord-Pas-de-Calais et Picardie, Hauts-de-France ça va être dur à dire, hein, mais Nord-Pas-de-Calais et Picardie, ça va venir, ça va venir. Ça va venir. Oui, mais je pense que... Bon, je ne dis rien, sinon... Derrière, c'est ce champ associatif. Dans nos régions, dans nos, j'allais dire, provinces, on a effectivement cette culture. Et c'est ça qui nous permet de garder cet équilibre. Alors, c'est vrai que notre société fait que, quand vous regardez à la télé, il y a un problème qui arrive déjà... 2 secondes après, tout le monde le sait. Et puis, si vous ne savez pas, vous passez pour un imbécile, parce qu'effectivement, j'avais dit, ah, vous n'avez pas regardé votre téléphone. Alors, quand il y a des catastrophes malheureuses qui peuvent arriver, c'est vrai que c'est tout à fait normal de se mettre en lien avec ces catastrophes. Mais dans un certain nombre de cas, sachons raison garder, comme disait ma grand-mère. Attends, réfléchis, tourne 2 fois ta langue dans ta bouche, comme on disait, et vois après où tu veux aller. Et là, je dis, parce qu'au milieu des personnes qui sont ici, s'il y a des délégués du personnel, s'il y a des membres de CE, s'il y a des membres de CHSCT, faites attention effectivement à ces aspects-là. Agissez auprès de vos instances de façon à avoir ce respect de l'individu. Quand il est 6 heures et qu'on arrête à 6 heures, eh bien, on ne travaille plus à 6h15. Mais en France, on fait du présentéisme. On aime bien être encore là à 9h du soir. Comme si on pouvait être efficace de 7h à 9h. Donc là, je vais m'arrêter parce que je dépasse mon temps. Ce qui m'étonne, c'est qu'elle ne m'ait pas encore grondé. Mais je règle mes comptes à la fin, en fait. Mais on a bien compris. Mais c'est vrai que, là encore, c'est bien nous-mêmes qui devons faire remonter des choses. Alors, on a des acteurs, on a les psychologues, on a les équipes santé-travail, on a effectivement un certain nombre de personnes qui peuvent vous aider dans les entreprises, mais il n'y a pas que l'entreprise, encore une fois, c'est ça, là-dessus que je veux insister. C'est la société où vous êtes. Et là où je suis un peu inquiet, c'est qu'on est devenu de plus en plus individualiste. On est avec son petit écran, son petit ordi, sa petite tablette, sa petite télé. Et puis, il n'y a plus de partage. Et c'est ça qui fait qu'on est déséquilibré, pour moi. Alors, c'est peut-être un mauvais exemple, hein. Mais j'essaye effectivement d'associer tous ces éléments qui nous permettent effectivement d'avancer. Nouvelle technologie, oui. De toute façon, vous ne pourrez pas lutter. Ça nous permet quand même une énorme avancée sur un plan technique, sur un plan connaissance, etc., etc. Mais sachons la dompter, de façon effectivement à respecter. Et si je reprends effectivement le grand employeur du CAC de ce matin, il me disait, moi, je ne veux pas recevoir de mail de telle heure à telle heure, et si je vois que des mails arrivent, je vais voir mon manager N-1 en lui disant, c'est quoi? Et effectivement, bon, il y a sans doute du chemin à faire. Mais c'est vrai que c'est vers ces choses-là qu'il faut aller, si on veut respecter vie professionnelle, vie personnelle. Puisque pour tenir en vie professionnelle, il faut avoir une vie personnelle épanouissante. Sinon, ça sera très difficile. Merci. Merci, j'étais sage aussi. Hein. Il donne l'impression que je le gronde tout le temps, alors que je ne vous ai jamais grondé de ma vie. Je ne vous mets pas la pression, justement. D'ailleurs, c'est un mot que vous avez employé. Vous aussi, vous avez dit pas mal de mots sur lesquels on va sûrement rebondir. Pression, addiction, reconnaissance. Vous donnez aussi l'idée, en tout cas, ou l'impression qu'on a une certaine forme de libre arbitre quant à nos décisions par rapport à cette frontière entre le boulot et la maison, mais il y a aussi parfois la peur de ne pas être reconnu ou la peur de perdre son boulot. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. On va parler aussi des postes de travail, de l'organisation du travail d'ici quelques minutes, mais on va encore revenir sur l'aspect, on va dire, psychologique ou psychosocial, si vous préférez. Professeur Pascal Desrumaux, vous enseignez la psychologie du travail et des organisations à Lille 3. C'est qui votre public? Vous formez qui? Et vous les formez à quoi? Ça devrait venir, je pense. Non, bah, allez-y, causez. Hop là. Sinon, le professeur Frimat va vous prêter son micro. Voilà, super. Vous voyez qu'on est solidaires. Bonsoir à tous. Alors, à l'Université de Lille 3, on forme effectivement des psychologues. Je suis plus spécialisée dans la branche psychologie du travail et donc on forme 3 options de Master 2, donc des ergonomes, des psychologues du travail qui vont plus mettre l'accent sur le management, les ressources humaines et donc se placer plus au niveau de la prévention primaire. Et puis, il y a une 3e option qui concerne l'évaluation psychologique des personnes et des systèmes. Voilà un peu. Alors, il y a aussi un DUE, risques psychosociaux, qualité de vie au travail, qui permet à un certain nombre de salariés de revenir sur les bancs de l'université et de se former en 120 heures aux risques psychosociaux avec une approche pluridisciplinaire, médicale, juridique, psychologique, ergonomique, et qui permet de se mettre à niveau par rapport aux risques. Alors, votre réaction, votre impression, vos sensations face à ce que disait Paul Frimat à l'instant, tous les mots qu'il a employés, nos droits, nos devoirs, nos droits à la déconnexion. Quand on a discuté un petit peu avant de préparer ce rendez-vous, vous parliez de résistance. On n'est pas égaux, on n'est pas égaux devant le boulot. Certains sont résilients aussi, on oublie et on passe à autre chose facilement. Mais il y a aussi des problèmes familiaux. Enfin, il y a une grosse masse d'informations autour de ce sujet. Oui, tout à fait. Alors, je rejoins le professeur Frimat sur certains points. Il y a des particularités françaises. La loi sur les risques psychosociaux, elle est typiquement française. Chez les Belges, on parle de loi sur le bien-être. Chez les Canadiens, on va parler de santé psychologique au travail. C'est la même chose. Donc, on a une manière d'aborder les choses qui est effectivement plus axée sur le risque et le pôle négatif de la santé au travail. Or, aborder la santé au travail, c'est aussi normalement aborder le bien-être, la conciliation des vies dans le sens positif et aborder aussi les notions d'accomplissement, de reconnaissance, les besoins, hein, la reconnaissance des besoins des personnes. Voilà, tout un ensemble de concepts qu'on a parfois tendance à oublier parce qu'on va être focalisé sur les risques. Alors au niveau des risques, effectivement, il y a des risques qui sont considérés comme plus tabous et puis d'autres risques qui sont considérés comme plus nobles. Je pense par exemple au workaholisme, le fait de travailler trop, et les nouvelles technologies ont cette incidence-là de pousser les individus qui sont sur certains postes de travail à travailler trop et à ne plus trouver de limites au niveau temporel. Et puis il y a des risques majeurs, hein, des addictions fortes, et puis le risque suicidaire dont on parle très peu parce que voilà, c'est un risque considéré comme tabou. Mais effectivement, il y a tout le côté positif de la santé qu'il ne faut pas oublier parce que c'est effectivement ce vers quoi on doit tendre. Donc il ne faut pas oublier voilà notre piste qui est d'aller vers une santé positive. Donc au niveau de la conciliation des vies, il y a effectivement une première manière de l'aborder qui est de considérer qu'on a des sphères et qu'il peut y avoir conflit entre les sphères. Une autre manière de l'aborder, c'est de dire qu'une sphère enrichit l'autre et qu'effectivement, avoir un bon équilibre et aller vers le bien-être, c'est trouver un équilibre entre sa vie privée, familiale, sociale, ses réseaux sociaux, etc., et puis sa vie de travail. Et puis, il y a une autre manière de l'aborder qui consiste à penser que voilà, les deux sphères sont en conflit. Alors, il est vrai que ce qui est source de conflit entre la vie privée et la vie professionnelle, c'est aussi ce qui est source d'un certain nombre de risques psychosociaux. C'est l'absence de latitude au niveau de la décision. C'est la charge de travail qu'on a du mal à gérer, qui est trop lourde sur le plan quantitatif. C'est les interruptions de tâches. Tous ces éléments-là sont à la source des risques principaux, le stress, l'épuisement, et puis sont aussi à la source du conflit, parce que le conflit travail-famille est basé sur un certain nombre de conflits de rôle, des conflits qui sont vécus au niveau intrapersonnel, c'est-à-dire que la personne doit faire des choix et elle va ressentir des dissonances face aux choix à faire, et puis des conflits interpersonnels. Voilà, est-ce que je fais des heures supplémentaires, je reste au travail pour faire plaisir, voilà, à l'équipe, au manager, etc., ou est-ce que je fais le choix de rejoindre la famille, etc. Donc des conflits de rôle interpersonnels, et puis il y a aussi des conflits de valeurs, on en parlait, il y a effectivement les valeurs de la personne, et puis les valeurs de l'organisation. Et ça n'est pas toujours facile de concilier les valeurs de l'organisation, ou des conduites que l'on a à tenir, et qui ne sont pas tout à fait en conformité avec la manière de faire. Qu'est-ce que vous voulez dire en parlant de valeurs de l'organisation ? Je ne comprends pas le sens. Alors, les valeurs personnelles, c'est clair, mais les valeurs de l'organisation. Voilà, les valeurs de l'organisation, elles vont varier effectivement selon le type d'organisation, mais ça peut être par exemple, pour un DRH, de licencier, de pratiquer du downsizing. Donc, quand on a été formé à la gestion des personnes, quand on a recruté son personnel et qu'à un moment donné, il faut décider de faire du downsizing. C'est-à-dire du licenciement. Voilà. Eh bien, voilà, on est confronté à ce conflit de valeurs et puis on va commencer à douter, à se remettre en cause et puis le travail va perdre une partie de son sens. Et on va ramener le problème à la maison, donc, puisque c'est un petit peu le sujet, forcément, puisque c'est encombrant comme sujet. Voilà, effectivement, enfin, on va aussi porter, on est humain, effectivement, et tout n'est pas clivé, et donc on va effectivement apporter ces conflits, ces tensions. Et effectivement, il y a trois sources de tensions, de conflits, les conflits liés au temps, c'est-à-dire qu'un temps déborde, un temps d'une sphère déborde sur une autre sphère. Il y a un conflit lié aux tensions, tensions qui peuvent être liées à la charge de travail ou aux valeurs, hein, et ce type de conflit, bien sûr, lorsqu'on a quitté le travail, est toujours présent en soi, et parfois, c'est effectivement la famille qui peut en subir les conséquences. Et puis après, il y a un type de conflit qui est lié au comportement, aux conduites que l'on peut avoir. Voilà. Alors après, au niveau des valeurs, on a aussi des éléments liés aux émotions. Hein, des émotions, on peut être en dissonance émotionnelle, c'est-à-dire avoir à se comporter sur le travail d'une manière que finalement on réprouve. Hein. Bon, après ça va dépendre des métiers, etc. On n'est pas en accord avec soi-même, mais voilà, on le fait pour la reconnaissance, pour d'autres raisons? On le fait parce qu'on a des consignes, souvent au niveau organisationnel, pour le faire. Et donc les quatre grandes sources, les quatre grands facteurs sur lesquels on doit effectivement travailler pour limiter les risques, comme le conflit travail-famille, ce sont par exemple les facteurs au niveau de l'organisation, donc en lien avec la prévention primaire, donc jouer sur le climat de l'organisation, la justice organisationnelle, il faut que les personnes se sentent traitées de manière équitable, et puis le management, hein, qui est une source organisationnelle. Ensuite, il y a une autre famille de facteurs qui sont le poste de travail, sont des facteurs directement liés à l'activité de travail, hein. Et puis ensuite, il y a les facteurs liés au relationnel, c'est-à-dire les relations entre collègues, est-ce qu'il y a soutien ou pas, est-ce qu'il y a reconnaissance entre collègues, est-ce qu'il y a gratitude parfois quand il y a de l'entraide. Et puis le dernier facteur est lié à l'individu. Hein, l'individu, effectivement, est-ce qu'il est résilient? Est-ce qu'il a une estime de soi suffisante pour savoir dire stop? Est-ce qu'il a un minimum d'assertivité pour se protéger face à des situations de travail? Quel est son statut? Marié, je pense justement au conflit travail-famille. Est-ce que c'est une personne seule avec des enfants? Est-ce que c'est une personne qui vit en couple? Donc l'âge aussi, l'âge finalement a un impact aussi sur la manière dont on va vivre le conflit travail-famille. Donc ces quatre grandes familles de causes vont impacter, et parfois les causes vont se cumuler au niveau du déséquilibre travail-famille. Il faut aussi penser que les risques ne sont pas forcément séparés les uns des autres. On peut avoir des cumuls de risques et qu'un conflit travail-famille va assez vite se cumuler avec une situation d'épuisement. Quand on est sous tension, voilà, à un moment donné, on va ressentir l'épuisement, on va ressentir une fatigue physique, émotionnelle, cognitive. On va ressentir à un moment donné une distanciation, une forme de dépersonnalisation par rapport à l'environnement, qui peut être l'environnement de travail, mais qui peut aussi être l'environnement proche. Donc ce sont les symptômes du burn-out. Et le troisième symptôme du burn-out, c'est la perte du sens du travail, la perte du sens de l'accomplissement. Donc des symptômes auxquels il faut être vigilant, parce qu'ils sont la conséquence d'un stress, mais aussi la conséquence d'un conflit travail-famille qui se prolonge. Et puis, il y a des facteurs aggravants aussi, comme certains conflits au travail, des états de tension, du harcèlement, qui vont précipiter encore l'épuisement des personnes. Et puis, un autre facteur qui vient jouer, c'est l'addiction au travail. L'addiction au travail dont on ne parlait pas beaucoup et dont on va parler de plus en plus parce qu'il est lié aux nouvelles technologies. Et donc, savoir aussi repérer un gros travailleur et le distinguer d'une personne qui est workaholic, c'est une dimension importante parce que une personne qui est workaholic, c'est une personne qui va glisser progressivement, aussi poussée par les supports technologiques, vers une compulsion, vers un besoin irrépressible de toujours être en lien avec son travail, donc qui ne va plus savoir débrancher, plus savoir couper. Alors effectivement, on revient à nos familles de facteurs, l'organisation a une responsabilité aussi, c'est de repérer ces personnes-là qui ne savent plus couper et de poser des garde-fous, de poser des limites en termes d'horaire, de ne pas permettre l'accès à l'intranet quand la personne est en congé, de la pousser à prendre ses congés parce que ces personnes-là ne prennent plus congé. Donc chez ces personnes, il y a ce besoin irrépressible, comme dans d'autres addictions, de revenir toujours au travail, de rester toujours face à son écran, face à son téléphone, comme en situation de qui-vive, parce que voilà, on vit par le travail. Donc, voilà, ça peut aussi cacher autre chose. Vous évoquiez les nouvelles technologies, mais ça peut aussi masquer un mal-être de vie en dehors du boulot. C'est juste une réflexion, être addictif quand on est une addiction. Oui, et ça peut effectivement cacher un besoin de reconnaissance. Je pense que les personnes qui sont profondément liées à leur travail ont peut-être finalement derrière oublié leurs propres besoins fondamentaux, hein, mais aussi ne se sentent pas reconnus. Et les besoins fondamentaux hein, de l'humain sont le besoin d'être autonome, justement, le besoin d'être affilié, hein, de se sentir affilié, et le besoin de se sentir compétent. Ce sont trois familles de besoins sur lesquels on peut insister parce que ce sont des repères pour aller vers le bien-être, pour revenir vers le bien-être. Voilà, donc on a des personnes qui ont effectivement qui ont glissé progressivement, comme dans d'autres formes d'addiction, vers le travail et qui développent un rapport qui est particulier au travail. Parce qu'on pourrait dire, tiens, c'est un risque noble, ces personnes-là produisent plus que les autres et je vais embaucher beaucoup de workaholics et ça va mieux fonctionner. Mais non, en fait, on s'aperçoit que ces personnes-là ont des problématiques au travail parce qu'elles deviennent très perfectionnistes, elles sont en décalage par rapport aux autres parce qu'elles n'ont pas les mêmes normes, elles supportent mal... que les autres ne les suivent pas dans leur rythme de travail. L'intolérance. Voilà, et donc elles sont elles-mêmes en difficulté et en souffrance et épuisées à un moment donné. Elles n'échappent pas forcément à l'épuisement. Voilà, donc ça c'est un risque qui est parfois connecté avec le conflit travail-famille. Ce soir, on va essayer de se sentir un peu mieux au travail, hein, puisque c'est le sujet. Alors, on a posé un peu le sujet, les problématiques éventuelles, avant de rentrer dans le concret, avec justement cette réflexion, entre autres, autour des outils numériques. Je vous suggère, si vous le souhaitez, poser des questions sur ce qui vient d'être dit en particulier. On rentrera dans le concret, effectivement, dans quelques instants, avec l'ORSE et l'ARACT, Lydie Recorbet et Christian Alliès. Quelqu'un a des questions à poser ou... un témoignage à apporter sur ce qui vient d'être dit, qui pourrait venir nourrir la réflexion et le débat. Il y a des micros qui tournent, vous faites juste un petit signe. Voilà. Mettez-vous debout, comme ça on vous repère bien, et on vous amène le micro, si vous le voulez bien. Ça vient. Hein. C'est là-bas, on va faire de la route. Hein. Lors de la précédente conférence, on parlait du cœur et des pas qu'il fallait faire. Ben, ce soir, on va faire plein de petits pas. C'est bien, les escaliers aussi. On est complémentaires. Voilà, je crois que la dame est là. Allez-y, posez-nous votre question. Bonsoir, c'est juste une réflexion. Je suis juriste en droit social pour une organisation syndicale. Et régulièrement, j'ai des adhérents, hein, puisque je travaille donc pour un syndicat, des adhérents qui arrivent dans mon bureau et qui s'écroulent. Et tout ce que vous avez dit, je le retrouve dans ce droit à la déconnexion, dans cette perte d'estime de soi, parce que ça c'est très important. Et aussi, je suis quelquefois horrifiée quand je vois de très beaux accords signés dans certaines entreprises sur cette fameuse adéquation vie professionnelle, vie privée, dont mon syndicat, pour ne pas le citer, la CFTC, a été un fervent défenseur, et a fait beaucoup de propositions dans son statut du travailleur à ce sujet-là. Et quand je vois que ces accords ne sont absolument pas respectés, justement parce qu'on est sur ce présentéisme où une femme, par exemple, quand elle dit bah, « moi, je pars à 17h parce que j'ai les enfants, parce que ceci, parce que cela », où on va pointer du doigt quelqu'un qui est à temps partiel, voire même quelquefois quand c'est un temps partiel à vertu thérapeutique, où on ne va pas pour autant baisser les objectifs. Tout ça, ça participe à un mal-être au travail. Alors peut-être que moi, je ne vois les choses que d'un seul côté, parce que c'est vrai que quand les gens arrivent chez moi, ils sont dans un état lamentable, et bien souvent, ils ont attendu beaucoup trop longtemps. C'est ça le problème. Et ce qui me chagrine beaucoup, c'est, j'ai envie de dire, la désaffection que la réglementation apporte à la médecine du travail. Parce que la réglementation, quand elle dit que maintenant un salarié ne sera vu par son médecin de manière obligatoire que tous les 2 ans, mais en 2 ans, il peut se passer beaucoup de choses. Et en fin de compte, si le salarié n'est pas proactif en disant « moi maintenant je vais voir le médecin du travail parce que j'ai une souffrance au travail », eh bien on a tous ces burn-out, on a toutes ces dépressions, on a toutes ces pathologies qui arrivent. Et je ne suis pas politisée, je ne suis pas politique. Par contre, j'invite les gens qui sont ici à aller voir sur le site de Benoît Hamon, qui a mis en ligne une pétition pour que le burn-out soit reconnu en médecine, comme une médecine professionnelle et non pas comme un gadget. Voilà, c'était le sens de mon intervention. Merci beaucoup pour votre témoignage. Quelqu'un veut répondre, réagir? Je réponds en trois points. Ouais. Continuez. J'allais dire, c'est important que les associations, qu'elles soient de défense quand on est patient, pour les malades, que ce soit pour les syndicats, c'est extrêmement important. Deux, je pense, et vous l'avez dit, hein, les gens attendent de trop. Et c'est vrai, quand on est en difficulté, il faut parler. Parler. Alors parler, parfois c'est difficile de parler dans sa famille, mais c'est parler avec ses collègues, parler effectivement avec l'équipe santé-travail. Je suis d'accord que la réglementation vous dit qu'il y a une visite obligatoire tous les 2 ans, mais heureusement, il n'y a jamais été interdit aux salariés d'aller voir le médecin du travail. Et donc, il faut leur rappeler que ça fait partie de leurs droits. Hein. Et quand je vois les batailles qu'il y a actuellement, j'allais dire, sur les plans des évolutions réglementaires, c'est un droit qu'il ne faut pas bouger. Le salarié a le droit d'aller voir son médecin du travail pour discuter, etc. parce que ça arrive souvent, effectivement, beaucoup trop tard. Alors, c'est vrai que... j'allais dire, tout ça, ça touche la problématique des RPS. Éventuellement, on pourra en reparler après la réunion, parce que ce n'est pas spécifiquement le but de la réunion. Personnellement, je l'ai dit à Hamon comme aux autres ministres, je ne suis pas un fanat d'un tableau de maladies professionnelles sur les risques psychosociaux, parce que notre système est un système verrouillé. S'il est dans un tableau, on va, j'allais dire, être figé. Il existe actuellement un système pour reconnaître les burn-out ou les dépressions liées au travail en maladie professionnelle. C'est un peu plus long, mais ça existe. Et ça fonctionne, je peux vous le dire. Moi, je voudrais juste rebondir sur, vous dites, aller voir son médecin le médecin du travail de façon plus régulière ou sur la demande du salarié. Mais je pense que quelqu'un qui ne va pas bien, s'il demande d'aller voir le médecin du travail, il va se sentir un peu stigmatisé, il ne veut pas qu'on le voie, il veut pas qu'on... Enfin, c'est un sentiment personnel, mais on va tous au boulot, donc on sait un peu ce que c'est. Donc c'est complexe, puisque ça rejoint un peu la psychologie du travail. À ce moment-là, il va voir son médecin traitant. Mm. Je veux dire, et puis il peut même consulter, je sais que certains vont consulter des psychologues, etc. Mm. Et je dis médecin du travail parce que c'est lui qui va pouvoir monter le dossier, éventuellement, s'il y a un dossier à monter. Hein, et c'est vrai que quand je dis ça, je suis conscient que c'est peut-être plus facile dans certains types d'entreprises, c'est beaucoup plus difficile dans une petite entreprise où effectivement le médecin est dans un service inter, etc., parfois très éloigné. Et c'est vrai que je milite pour qu'il y ait des maisons de santé où il y a tout le monde, y compris le médecin du travail. Dans ce cas-là, effectivement, on dirait à la maison de santé, on peut aller voir le kiné, on peut aller voir l'infirmière, on va voir le médecin du travail. Et puis effectivement, cette notion de... D'être repéré, c'est pas toujours évident. Mais je suis d'accord. Hein. Merci beaucoup, Paul Frimat. Merci aussi pour votre intervention. Quelqu'un d'autre a une question à poser ou une intervention? On continue, il n'y a pas de souci. Hein. On ne veut pas vous laisser en plan s'il y a des choses qui vous ont échappé. Ici, si vous le voulez bien. Si vous vous levez, on vous voit mieux, en fait. Ouais, nous, on est les stars, alors forcément. Hein. Ça, vous saviez bien, hein, Paul Frimat. Voilà, ici, juste devant. Bonjour, Sandrine Schellenberger, je suis enseignante-chercheur en psychologie du travail à l'Université catholique de Lille. Et dans ce que vous disiez, j'ai noté 2-3 petites choses qui me sont un petit peu revenues à l'esprit, que j'ai pu lire il n'y a pas si longtemps que ça, via les réseaux sociaux, donc encore un biais lié aux nouvelles technologies. Je me souviens d'un article... où il disait, en France, on a un petit peu... donc culturellement, on est très axé sur il faut travailler, il faut faire plus, il faut toujours être là. Et certaines personnes disaient qu'ils avaient des remarques de la part de leurs collègues, genre tu termines à 18h, oh ben tu t'en vas déjà. Ouais. Ouais, enfin 18h, c'est une heure normale pour rentrer. Et dans d'autres pays, où au contraire, quand on termine à 17 ou 16h, ben, c'est plutôt un signe d'être efficace, d'être organisé dans son travail, d'être performant dans son travail. Et d'ailleurs, certains pays, alors je crois que c'est la Scandinavie, mais j'en suis pas sûre, mais il y a un pays, il me semble, qui a mis en place, ou certaines entreprises ont mis en place la journée de travail de 6 heures, et les personnes sur leur lieu de travail n'ont du coup plus le droit de consulter leur page Facebook privée, n'ont plus le droit de recevoir des coups de fil perso. Enfin, c'est vraiment une grosse coupure. Et ils travaillent moins longtemps et ils se sont aperçus que les gens étaient plus productifs. Parce qu'effectivement, on parle de nouvelles technologies qui ramènent le travail à la maison, mais ça ramène aussi la maison au travail. Donc aussi derrière, ben, on travaille moins fort, de manière moins efficace, on est moins concentré sur son travail. Et moi, je trouve que ça va dans les deux sens. Et je me dis, ben voilà, je voulais compléter un petit peu les propos déjà tenus en amenant ça. La psychologue du travail dit quoi? Oui, alors sur effectivement le rapport au temps, c'est une grande question. Faut-il limiter le temps et empêcher pendant ce temps les personnes d'accéder à d'autres sphères? Alors, moi, j'aurais tendance à dire que la priorité, c'est la latitude décisionnelle, parce que ça fait partie des besoins fondamentaux, quoi. Je veux bien que vous précisiez cette notion de latitude prévisionnelle. Donc l'autonomie dans le travail, hein, et donc si à un moment donné on a besoin d'aller consulter son téléphone et de se rassurer par rapport à un enfant ou par rapport à un conjoint, etc., on doit pouvoir le faire, on doit pouvoir aussi répondre à un mail, voilà, ça ne veut pas dire qu'on sera moins productif pour autant. Et je pense qu'il faut aussi envisager le temps comme quelque chose de mouvant. C'est comme la santé, c'est quelque chose de mouvant qui n'est pas figé. Et il y a des jours où on va pouvoir travailler 8 heures, 10 heures. Il y a des jours où on va pouvoir travailler 5 heures. Parce que l'énergie n'est pas toujours la même d'un jour à l'autre. Et laisser aux personnes la latitude de décider un jour de travailler plus longtemps, mais un jour de travailler moins, je trouve que c'est aussi une bouffée d'oxygène, ça permet aussi aux personnes de respirer au travail. Donc mon idée, ce serait de figer le moins possible le temps, hein, parce que ça fait partie des sources de contraintes. Alors maintenant, tout va dépendre de l'activité de travail, hein. Il y a des activités de travail où le poste ne permet pas cette latitude, mais si il le permet, voilà, éviter de limiter encore la marge de manœuvre des personnes sur leur poste, parce que c'est une source de stress, hein, le fait de ne plus pouvoir gérer son temps, c'est une source de stress de toute façon à un moment donné. C'est ce qu'on appelait les horaires à la carte, hein. Enfin, je ne s'appelle plus trop comme ça, mais on pouvait étaler un petit peu dans certains postes, bien évidemment, certains métiers. On va continuer. Vous, bien évidemment, on est ensemble encore un petit moment, donc vous aurez l'occasion de revenir, poser des questions à nos interlocuteurs si vous le souhaitez. On va partir direction l'Observatoire sur la responsabilité sociétale des entreprises, autrement dit l'ORSE, hein, c'est comme ça que ça s'appelle, avec vous, Lydie Recorbet, qui en est chargée de mission. Quelques mots sur cette structure qui a une quinzaine d'années d'existence là maintenant. Oui, alors bonsoir à tous. Alors en effet, pour vous présenter rapidement l'ORSE, on est une association loi 1901, une association d'organisation professionnelle, enfin de professionnels en tout cas, mais pas d'individus, qui regroupons en tant que membres eh bien, des entreprises. Alors plutôt avec un profil de grosses boîtes CAC40, mais on a également quelques PME qu'on compte parmi nos membres. Et puis, on a la particularité d'être multi-parties prenantes, c'est-à-dire qu'on accueille aussi en tant que membres des organisations telles que les organisations syndicales et les fédérations professionnelles, et puis également des ONG. Et donc, on a pour objectif, on est une toute petite équipe qui avons pour mission de promouvoir la responsabilité sociétale des entreprises en aidant, accompagnant nos membres dans leur réflexion, dans la mise en œuvre de leur politique, qu'elle soit RH ou autre, bien aller voir, aller revisiter par le prisme de la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Donc on a une fonction, entre guillemets, pas tant accompagnateur parce qu'on n'est pas consultant, mais brainstormer, on va dire, avec eux. Et puis après, dans le but de... C'est-à-dire vous balancez des idées, c'est ça le brainstorming. On travaille énormément en groupe de travail et de réflexion, avec des réunions qu'on anime chacun sur nos pôles, donc moi sur le volet ressources humaines, et avec des membres que l'on réunit autour de la table, qui ont envie d'investiguer les thématiques qu'on leur propose, qui souvent d'ailleurs nous les remontent, mais pas seulement. Parfois on prend un petit peu notre bâton de berger pour les amener à réfléchir sur des sujets que nous on a déjà un peu identifiés comme étant innovants. Et puis, après, dans un second temps, notre volonté très forte, c'est de pouvoir partager ces bonnes pratiques, les rendre accessibles au plus grand nombre. Donc, pour cela, souvent, du coup, ça passe par le fait de rédiger des supports, des guides méthodologiques, etc., et de mettre ça en ligne de manière gratuite, accessible sur notre site Internet. Et vous avez donc beaucoup réfléchi au sujet du jour, en termes d'outils numériques, de mail et de télétravail. C'est un gros sujet sur lequel vous avez travaillé. Exactement, puisque du coup, je suis sur tous les aspects sociaux qui concernent directement les salariés. On a beaucoup été... historiquement, l'ORSE s'est beaucoup investi en fait, sur les questions de dialogue social et sur les sujets qui font l'objet de négociations. On est reconnu, sans trop me vanter, on est reconnu sur pour notre expertise sur l'égalité professionnelle et sur les autres volets de non-discrimination et de diversité. Et puis, bon, après, on traite aussi de tout ce qui est plus managérial au sein de groupes de travail, de réunions que j'anime. Et c'est vrai que les membres nous ont sollicité de part donc, toutes ces thématiques qu'on traite avec eux sur l'égalité professionnelle et la conciliation vie privée et vie professionnelle. Les membres nous avaient fait savoir qu'ils voulaient, d'une part, pouvoir investiguer la question du télétravail et de comment négocier et mettre en œuvre des accords de télétravail au sein de leurs entreprises. Donc ça, c'était le point de départ de nos travaux. Et puis, un peu au fil de l'eau, ils nous ont aussi fait savoir qu'ils voulaient pouvoir accompagner leurs managers, apporter des réponses, identifier des bonnes pratiques sur la gestion des courriels dans l'entreprise. Donc ça a été l'objet de deux publications qu'on a publiées en 2011. Et puis on a continué bien évidemment à travailler sur cette thématique puisque les outils numériques, ça prend une place prépondérante et on ne luttera pas contre la présence et l'usage qu'on en fait. Après, il faut trouver les moyens de réguler ça. Mais du coup, on continue de travailler et au-delà du mail, on s'interroge sur l'usage, quel qu'il soit, des outils numériques. C'est les smartphones, c'est les portables, c'est les plateformes collaboratives en entreprise, ce sont les réseaux sociaux d'entreprise, ce sont les applications aussi, etc. Donc là, on a donc réédité un guide l'an dernier sur l'usage des outils numériques, des outils de communication numérique en entreprise, et on continue d'interroger et de voir l'usage, en tout cas dans quel sens va le vent, et d'essayer d'avoir du recul par rapport à ça et d'être dans l'analyse. Les membres donc, de l'association, parce que c'est une association, l'ORSE, sont des décisionnaires, c'est-à-dire que quand ils sortent quelque chose, est-ce qu'à un moment ils disent bon c'est bien, je vais mettre en pratique ce qui se passe dans l'entreprise? Alors, décisionnaires pour eux-mêmes, hein, pas pour l'association. Oui, voilà, décisionnaires pour eux-mêmes, oui, bien sûr. D'ailleurs, en fait, quand je dis qu'on n'est pas accompagnant, c'est... ils viennent nous voir pour nous dire bon, on a travaillé avec vous sur tel sujet, ou alors on a vu que vous étiez investis sur tel sujet et on n'a pas assisté aux réunions, mais qu'est-ce qu'il en ressort, quelle est la quintessence, etc., et comment on peut mettre en œuvre, nous, au vu de notre secteur d'activité, notre taille, etc. Qu'est-ce que vous, par rapport à la vision globale que vous avez des pratiques, par rapport au benchmark que vous avez, que vous êtes en capacité de faire, même si on n'est pas un centre d'études, donc on ne vous sortira pas des statistiques, qu'est-ce que vous en pensez? Quel est votre regard? Qu'est-ce que vous me recommandez? On peut plus parler en termes de préconisation qu'en termes de consulting, en fait. Donc vous êtes observateur, et conseiller aussi en même temps. Qu'est-ce que vous avez constaté, vous, justement, sur le bon usage? Conseiller, bon usage des outils numériques en entreprise. Vous êtes allé jusqu'où? Alors, ce qu'on a beaucoup observé, mais il est vrai que nos membres, ils ont un profil français. Ce sont des multinationales, mais essentiellement pour la plupart françaises. Donc c'est vrai que lorsque le professeur Frimat discute avec des groupes du CAC40 du droit à la déconnexion, on a à peu près les mêmes échanges. Le droit à la déconnexion, je crois qu'il a été suggéré, il a été proposé au départ par les organisations syndicales. Il est désormais bien repris par les partenaires sociaux, l'ensemble des partenaires sociaux, qu'ils soient du côté de l'employeur ou qu'ils représentent les salariés, pour la simple et bonne raison que, donc notamment en France, il y a un réel risque juridique pour les entreprises derrière par rapport aux dérives, aux effets pervers qu'on peut constater avec les outils numériques. Donc, faute inexcusable de l'employeur, par rapport à la santé-sécurité de ses salariés. L'employeur a une obligation de moyens et de résultats par rapport à ça, donc, mais de requalification d'heures en heures supplémentaires, par exemple, les heures que vous faites chez vous jusqu'à 22h, pièces jointes à l'appui que vous avez de l'email que vous avez envoyé à 22h pour signifier que vous avez bouclé le dossier. Bon, ben voilà, techniquement, ça peut être revalorisé en heures supplémentaires. Qu'est-ce qui se passe, par contre, quand c'est le salarié qui est en demande de pouvoir partir plus tôt de l'entreprise parce qu'il est parent, qui va récupérer son enfant, qui va le faire dîner, le baigner, le coucher, et que donc il reprend à 21h son dossier pour le gérer jusqu'à 23h. Il n'y a pas que la question de la parentalité aussi derrière. Mais qu'est-ce qui se passe quand c'est le salarié qui est en demande de pouvoir partir plus tôt, d'articuler ses horaires comme il le souhaite, et que du coup, quand il vous envoie l'email, ben, au lieu de vous l'envoyer à 18h ou 18h30, il va vous l'envoyer à 23h. C'est là où est le piège. Et donc, en réalité, dans le droit à la déconnexion, si c'est un garde-fou qu'il est bien d'affirmer dans l'entreprise, toute la difficulté, c'est un peu ce que Madame disait par rapport aux accords, c'est derrière le fait de le mettre en œuvre. C'est là que ça devient compliqué, parce qu'en fait, l'usage qu'on en a, qu'en ont les salariés, mais qu'on en a tous, en réalité, que ce soit conscient ou pas, fait qu'on est nous-mêmes en demande, quelque part, de cette flexibilité que ça permet. Et il est vrai que ça permet cette flexibilité. Admettez quand même que c'est très pratique de pouvoir aller chercher vos enfants à 5h, de vous dire que, de toute façon, vous finirez de gérer vos mails ou votre dossier après 20h. Ou d'aller faire 2 heures de sport. Ou d'aller faire 2 heures de sport. De sport, on a envie de déconnecter à des moments différents, par exemple. Exactement. Donc, les salariés sont de plus en plus en demande de ça aussi, et c'est vrai que vous avez raison de le souligner, ça ne concerne pas que les parents. Quand on voit, par exemple, les générations qui arrivent sur le marché du travail, moi j'insiste beaucoup là-dessus, les digital natives ou les milléniums, appelez-les comme vous voulez, eux, ils sont précisément en demande de pouvoir faire les activités privées qui leur chantent quand ils veulent, et gérer, bien sûr, ce qui relève de l'activité professionnelle. Enfin, de pouvoir l'articuler, en tout cas. Alors, pas tout à fait quand ils le veulent, évidemment, j'exagère, je force le trait, mais de pouvoir articuler comme ils le souhaitent. C'est une génération de zappeurs. Mais quand c'est géré, alors si je peux me permettre, je m'adresse et aux médecins et aux autres structures, quand c'est géré, entendu, qu'il n'y a pas de pression, quand c'est vécu, on va dire, sereinement, je dirais presque pourquoi pas. Je vous pose la question, vous pouvez répondre si vous le souhaitez. Il y a deux choses, vous le disiez très bien tout à l'heure, c'est que la pression, enfin le stress, on n'est pas identique face à ça. Donc elle ne sera pas vécue de la même façon par une personne et par une autre. Donc ça, c'est une première chose. Et puis après, dans le fait que si c'est géré, c'est entendu très bien. Quand je vous dis les digital natives qui sont très flexibles par rapport à ça, pas de problème pour eux, ils se demandent même pourquoi on leur pose la question. La question quand même qu'il y a derrière, c'est: est-ce que c'est géré par les managers? Je crois que on voit poindre là le problème, c'est le présentéisme, la culture du présentéisme. On n'est pas dans une logique de management à distance, et on ne sait pas faire. Aujourd'hui, vous avez animé des ateliers, je crois cet après-midi. C'était qui votre public et qu'est-ce que vous leur avez dit? Alors, sur le profil de mon public et de mes participants, je dois vous avouer que je n'ai pas trop de visibilité. Vous avez ressenti quoi? C'était des chefs d'entreprise Honnêtement, je ne saurais vraiment pas vous dire. Parce que vous leur avez dit. A priori, proportionnellement, je pense à peu près le même public qu'ici. Ah, j'ai repéré 2-3 étudiants, en tout cas des personnes très jeunes pour être déjà en emploi. Après, je crois que des personnes appartenant aux mutuelles sponsors, etc. Mais en termes de profil, étaient-ils des responsables QVT ou autres? Ça, je ne saurais pas vous dire. Le message est de toute façon valable pour tout le monde, hein. Il n'y a pas de souci. Merci. Oui, non, de toute façon, effectivement. Après, moi, ce que j'essaye de mettre en avant, si on a des préconisations à émettre, c'est effectivement d'accompagner, alors peut-être pas former, le mot formation, la formation c'est encore autre chose, l'acquisition de compétences, etc., quoique l'acquisition de compétences et la maîtrise des outils technologiques, ça se discute, mais c'est d'accompagner en tout cas les salariés, les managers, oui, mais l'ensemble des salariés, parce qu'encore une fois, on est aussi si on prend l'exemple du mail que tout le monde, qui va parler à tout le monde, on est nous-mêmes générateurs de mails, et pas que nos managers et nos dirigeants. En réalité, même proportionnellement parlant, ce sont les salariés entre eux, les collaborateurs, qui sont les plus générateurs de mails, précisément en mettant en copie la terre entière. Donc c'est vraiment un accompagnement, une formation, une sensibilisation, une prise de conscience sur le fait que tout le monde n'est pas égal face à la gestion des outils numériques, à l'agilité, à s'en servir. Et donc, c'est les accompagner sur les fonctionnalités qui existent, qui permettent d'envoyer des emails un peu plus tardivement, qui permettent aussi, en termes de ton, ça a été dit au cours de l'atelier, de conserver quand même une certaine forme de civilité. Ça peut aider, plutôt que d'être... d'envoyer des emails comme on envoie des textos à ses amis en mode abrégé, et ça peine si on dit bonjour. Des formules, vous voulez regarder, voilà, toutes les formules, bien sûr. Et je crois que ça, déjà, c'est un gros pavé, parce que ça va vraiment à l'encontre des usages tels qu'on voit les tendances sur l'usage qu'on a de ces outils. Donc c'est vraiment, encore une fois, faire preuve de pédagogie et de les former dans un... parfois c'est du b.a.-ba, hein, des fois c'est du bon sens dans les bonnes pratiques qu'on a pu repérer, mais encore une fois, c'est remettre de la civilité remettre de la civilité dans des nouveaux espaces de discussion, c'est ce que je disais tout à l'heure. Tout à fait. Merci beaucoup, Lydie Recorbet. Vous pourrez répondre dans quelques instants à des questions. On va venir à vous, Christian Alliès. Alors, deux points, ouvrez les guillemets. Vous signez vos mails par pour info. Tout mail reçu en dehors des heures de travail n'appelle aucune réponse immédiate. J'ai trouvé ça génial. Je me suis dit, ça a le mérite d'être clair. Il répond s'il veut, il répond s'il veut pas, en dehors des heures de boulot. Alors après, les heures de boulot, on est d'accord, elles ne sont pas toujours les mêmes pour tout le monde. Vous êtes le directeur de l'ARACT Nord-Pas de Calais. Donc c'est une association paritaire, hein, c'est ce dont on parlait, dans laquelle il y a des syndicats, des chefs d'entreprise, des CHSCT, enfin, vous allez nous expliquer tout ça. Quelle est sa fonction première ? Bien, bonjour à tous, merci d'être encore là, parce que finalement on travaille hors des heures de travail, ce qui est quand même incongru pour une conférence sur les QVT. Le professeur Frimat, qui est médecin, prescrit. Madame Desrumaux fait de la recherche. L'observatoire observe. Et nous, on agit. Non, je plaisante. Hein. Tout le monde agit. Quand je dis on agit, ça signifie que l'ARACT et le réseau ANACT-ARACT, d'une manière générale, est effectivement une structure paritaire qui est donc le soutien financier du Conseil régional des Hauts-de-France, de la DIRECT, donc de l'État, et de l'ANACT à travers une dotation de la Direction générale du travail, et puis après un autofinancement. Donc, d'une manière générale, on peut dire que, et bien sûr, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Quand je dis on agit avec d'autres. On agit avec les services santé-travail, avec le pôle santé-travail, en tout cas sur l'île métropole, beaucoup. On agit avec des psychologues du travail dans les organisations industrielles ou de services. On agit avec beaucoup de partenaires en ce moment. Il y a un grand chantier qui s'ouvre, par exemple, sur les mutuelles, particulièrement sur le champ de la qualité de vie au travail, qui s'ouvre, hein, dont certains ont été cités là tout à l'heure, en particulier pour... je dirais, pour essayer de prévenir ou de montrer quel peut être le chemin de la qualité de vie au travail. Alors, pour revenir un peu sur le champ du numérique, je me méfie beaucoup puisque j'ai une formation d'ingénieur et donc j'ai toujours été très tenté de focaliser sur les technologies. J'ai vite muté quand je suis rentré à l'ARACT, ce n'était pas du tout ça qui était utile. Exemple très concret, par exemple, sur des sujets intéressants, les RFID ou d'autres, on s'est vite aperçu, c'est un mot qui a été cité plusieurs fois autour de la table, ce qui est important, ce n'est pas la technologie, ce que j'appelle moi les technologies poussées, mais plutôt les technologies de pensée. C'est-à-dire que le facteur humain, dans cette organisation, il nous semble, pour nous, en tout cas dans le réseau ANACT-ARACT, que c'est le facteur le plus important et décisif sur les grèves qu'il y aura à un moment donné dans les organisations qui seront numérisées. Alors, on a toujours rencontré, hein, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Colette Arweiler, je crois, de l'Académie des sciences, qui disait finalement qu'il y avait une espèce de technoscepticisme, en France en particulier. Alors, technoscepticisme, signifiant que lorsqu'on parle des nanotechnologies, lorsqu'on parle même parfois du Wi-Fi dans des organisations, lorsqu'on parle parfois même du Bluetooth, des hyperfréquences, tout de suite on a un phénomène des technologies d'une manière générale, on a une espèce de rejet naturel qui fait qu'on pense que la borne va nous polluer, elle nous pollue à juste titre, puisque de toute façon, moi dans ma jeunesse j'avais travaillé avec des laboratoires de Montpellier, dans le cadre d'un contrat CIFRE, où on démontrait que les séquences génétiques des poussins étaient cassées, 40% des poussins sortaient de l'œuf, on n'avait pas, je suis désolé, mais pas qui est passé, en tout cas ils sortaient handicapés. Donc c'était quand même, je veux dire, il y a certainement des choses qui sont à prendre très au sérieux sur ce technoscepticisme parfois ambiant. En tout cas, ce qui est de notre métier, dans l'action que l'on mène, on est plutôt sur des problématiques, on parlait tout à l'heure de burn-out, de RPS. Nous, ce qui nous intéresse, c'est quels sont les indicateurs qui vont faire que dans l'organisation du travail, il y a un impact sur lequel des indicateurs comme la surcharge du travail, dont vous parliez, sur l'absentéisme, est-ce que ça va être des éléments révélateurs de dysfonctionnement qu'on a dans l'organisation du travail? Et c'est à partir de ce moment-là que l'on va pouvoir certainement donner peut-être une place à une réflexion qui va être forcément une réflexion collective. Qui sont vos interlocuteurs alors? Ils sont généralement, bien sûr, on peut être sollicité soit de la part de salariés, mais généralement, quand on le fait en animant dès le départ une réunion où on peut avoir des représentants, et on impose même parfois des représentants de la direction et des salariés. Alors quand c'est des organisations, des CHSCT, etc., donc c'est beaucoup plus facilitant, mais on peut être amené effectivement à intervenir lors de CHSCT parce que c'est un des points qui a été soulevé sur les problématiques d'organisation ou de lien entre les TIC et l'organisation. Alors pour revenir sur le télétravail, moi je pense qu'il y a un point important puisque le télétravail, tous les accords qui ont été négociés, en particulier depuis 2013 sur l'accord national interprofessionnel de qualité de vie au travail, a vu poindre des éléments sur lequel les réponses, quand vous dites quels sont vos interlocuteurs, nous on peut avoir des éléments de réponse, les pôles santé-travail peuvent en avoir, les professeurs de santé-travail peuvent en avoir, les médecins du travail peuvent en avoir, mais il y a aussi, je pense, je le dis parce qu'il y a des politiques qui sont aussi dans la salle, et certainement que les problématiques d'aménagement du territoire font qu'on va s'orienter, je pense, dans les 5 ans qui viennent, plutôt vers une qualité de vie au travail territoriale. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que, je pense que les réseaux informatiques sont un réseau parmi d'autres, mais la qualité de vie sur un territoire, conciliée, je reviens, le temps de vie privé et le temps de vie professionnel, c'est peut-être mettre un certain temps pour aller au travail qui ne soit pas celui qu'on vit régulièrement sur des métropoles qui sont endémiques en termes de, je dirais, d'engorgement dans les entrées. Alors, je le dis parce qu'en ce moment, je fais l'intérim sur une ARACT qui est celle d'Île-de-France, où alors là, je vois les salariés arriver, je dirais parfois avec 1 heure, 1 heure et demie, passent devant moi en se disant, comme je fais l'intérim, c'est pas, qu'est-ce qu'il va me dire? J'ai rien à leur dire. Les pauvres, ils sont plutôt à plaindre qu'à essayer de ficher sur une liste noire. Cela signifie quoi? Cela signifie qu'il y a des éléments de réponse aussi bien souvent que l'on ne maîtrise pas lorsqu'on est dirigeant d'entreprise ou chef d'entreprise, et auquel cas, il y a peut-être là, dans les CHSCT ou avec les délégués du personnel, à mettre des points à l'ordre du jour qui font qu'on va essayer de crever l'abcès de ce qu'est l'arrivée en retard. Alors, je prends cet exemple-là parce que concilier la vie temps privé, temps professionnel, c'est souvent j'arrive en retard au travail et j'arrive pour de multiples raisons, ce qui fait que parfois il faut revenir à, je pense à une entreprise en particulier, au b.a.-ba de ce qu'est le dialogue social dans l'entreprise qui consiste à se mettre autour d'une table tout simplement et à discuter des points où il y a des points négatifs ou des points noirs ensemble. Ça peut être un réaménagement des horaires d'arrivée. C'est tout bête. Ça signifie qu'on déclare que plutôt que d'arriver à 9h, on peut arriver dans une plage qui va être éventuellement 8h30, 10h. Et les gens sont assez grands, donc c'est un management par la confiance. Donc, et l'intelligence. Oui, alors moi, l'intelligence, je me méfie un peu, mais la confiance, elle est dans. L'intelligence, souvent, bon, je ne vais pas revenir, il y a des professeurs qui sont plus malins que moi là-dessus, mais un management par la confiance, je sais ce que c'est. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je dirais, il faut donner confiance aux salariés pour que, et c'est à la direction et au management, effectivement, avoir ce type de management pour que, petit à petit, se réinstaure quand il a été détruit ou lorsqu'il est mal en point, et ça arrive aussi dans certaines entreprises, pour qu'on puisse le réinstaurer. Donc c'est tisser, à un moment donné, ce que j'appellerais, ce qu'on appelle, de manière générale, le dialogue social. Donc voilà, ça démarre souvent par ça. Ça peut être aussi, alors on en rencontre, pour prendre un exemple très concret concernant le télétravail, alors allez sur les sites des ARACT, de la nôtre en particulier, où on a une vidéo assez intéressante sur le télétravail, où on voit un dirigeant d'entreprise dans le secteur agroalimentaire qui, pour faciliter la saisie des commandes, où c'était des dames, c'est une équipe de 4-5 personnes, venaient à 3 h du matin pour faire les saisies, et puis finalement il y a un accord de télétravail très concret et mis en application, parce qu'effectivement, on parle de plus en plus de télétravail aujourd'hui, et il y a des accords qui sont signés, et bien souvent, les accords, ils sont signés, ils sont écrits, mais ils ne sont pas forcément mis en œuvre comme ils le devraient. En tout cas, là, c'est une PME de 40 ou 50 personnes. Là, c'était mis en œuvre, et ça a permis justement à ces salariés, de manière très concrète, de pouvoir rester chez elles le soir. Alors, au début, il y a eu, bien sûr, c'est le projet du dirigeant, donc il y a une suspicion naturelle, souvent, parce qu'on est dans un pays où les rapports dirigeants-salariés sont teintés de manière naturelle un petit peu d'antinomie, alors que là, au bout d'un certain temps, ce projet a été admis par les salariés, donc il y a eu là encore une participation active des salariés, un échange finalement, c'est 3, 4, 5 réunions, ça ne se fait pas comme ça en une fois, et puis aujourd'hui, ces salariés ne veulent surtout pas revenir en arrière, elles sont très contentes de rester chez elles, de faire la saisie des bons de commande de chez elles, elles arrivent à un horaire plus normal, puisque ce n'est pas le professeur Frimat qui dira le contraire, c'est que le travail de nuit est certainement plus usant que le travail de jour. Voilà, pour synthétiser un petit peu quelques chantiers sur lesquels on peut être amené à travailler et sur les dimensions collectives ou plutôt participatives. Je me méfie aussi des mots, je ne suis pas psychologue, mais je me méfie des mots comme de la peste. La dimension participative est parfois mieux comprise que la dimension collective, ou que le collectif. Vous êtes médiateur, en fait, d'une certaine façon, puisque vous arrivez, vous mettez en place des discussions, des tables rondes. Alors, je me méfie du mot médiateur, parce que c'est souvent dans des contextes. Oui, mais c'est un peu ça, au sens primaire du terme. Je préfère le mot transfert. Pourquoi? Parce qu'on a un cycle de vie, je dirais, dans toutes les ARACT, donc ça fait partie de l'ADN, c'est-à-dire qu'on fait de la veille, donc là on observe un peu ce qui se passe, un peu de prospective, mais ça c'est plutôt l'ANACT au siège qui le fait, et puis ensuite on expérimente, donc on agit, c'est-à-dire qu'on monte des projets avec 8, 10 entreprises, voire une ou deux entreprises, parfois une seule, et à partir de là on va en sortir, je dirais, une méthode, un outil. Alors, il y a beaucoup d'outils qui sont connus sur la prévention des risques psychosociaux. Alors, j'ai eu des entreprises qui me questionnaient, mais tiens, vous n'avez pas sorti un outil sur la qualité de vie au travail. La qualité de vie au travail, c'est tout sauf un modèle qu'il faut sortir, il faut l'expérimenter. D'ailleurs, ça a été fait pour ça. L'accord ANI de 2013 avait pour vocation de mettre en place des expérimentations que les partenaires sociaux n'ont pas forcément pris en compte. C'est-à-dire qu'on leur a donné une perche, puis elles sont tellement habituées, je le dis parce que je suis dans une structure paritaire, donc je le dis à mes partenaires sociaux, puisque moi-même, il y a 2 ans, alors j'ai voulu lancer plein de projets, mais ils sont tellement, je dirais, face à une espèce de garde-à-vous de la réglementation, là je suis un peu osé, et un garde-à-vous vis-à-vis de la réglementation, qui est légitime, parce qu'il y a de plus en plus de règlements, que lorsqu'on leur dit, voilà, vous avez un champ libre qui s'appelle la qualité de vie au travail, investissez ce champ, expérimentez, lancez-vous dans des actions expérimentales chez vous, sur des thèmes que vous avez envie de voir, parce que les points d'entrée sont multiples en matière de qualité de vie au travail. Ça peut être des problèmes d'égalité professionnelle, ça peut être des problèmes de surcharge, ça peut être des problèmes d'absentéisme, etc. Donc on peut y rentrer, ça peut être des problèmes de rémunération aussi. Mais ce n'est pas forcément, contrairement à ce qu'on croit, le premier objet. On avait fait une étude là-dessus que vous pouvez récupérer sur le site de l'ANACT. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a plusieurs points d'entrée et qu'à un moment donné, cette qualité de vie au travail, il faut qu'elle soit partagée. Je pense qu'il y a un mot qui a été cité par le professeur Frimat, c'est le mot partage. Voilà. Donc il faut partager ses émotions, partager ses expériences, partager ses envies, et puis à un moment donné, se mettre autour d'une table avec certainement, et c'est là où on peut intervenir, avec en filigrane une conduite de projet qui doit permettre à un moment donné, dans un temps qui est généralement le temps d'un accouchement, comme quoi la nature fait bien les choses, même au niveau social. À peu près 9 mois pour bâtir un accord. C'est souvent comme ça. Vous parliez de partage. Justement, on a évoqué souvent les postes de travail, les charges de travail. Si quelqu'un ramène du boulot à la maison, on peut imaginer qu'il en a trop et qu'il est obligé de jouer les prolongations. On peut imaginer ça. Comment vous travaillez? Alors, je ne sais pas qui, hein, sur ces charges de travail avec l'entreprise. Comment... C'est difficile de parler à son propre patron, dire « j'ai trop de boulot » directement. Ce n'est pas toujours si simple que ça. Non, mais généralement, dans des entreprises qui sont organisées, la problématique de surcharge, elle émane quand même. Hein, et l'entreprise est dans ce cas-là sous tension. Il y a une action qui est en train de se mettre justement sur ce qu'on appelle l'accompagnement, hein, c'est un mot que j'ai entendu aussi tout à l'heure, l'accompagnement à résoudre des problèmes de relations sociales, et bien souvent on arrive à des problématiques de tension. Alors c'est pas toujours facile, hein. C'est clair que ce qu'il faut, c'est essayer de faire en sorte que l'on soit avant qu'il y ait un point de rupture, je dirais, entre les partenaires. Alors quand je dis les partenaires, ce n'est pas forcément les partenaires sociaux non plus dans les TPE. Hein. Je pense dans les TPE, ça peut être simplement entre le dirigeant qui ne ressent pas forcément, je pense à une entreprise qui était passée de 4-5 personnes à 20 personnes. C'est énorme, hein. Multiplié par 4 le nombre de salariés, dans une TPE, c'est énorme. Et il n'a pas ressenti, parce que lui, ben, c'est un addict, hein. On commence à avoir des colloques, je pense au congrès qu'il y a eu en médecine santé-travail sur le stress et le dirigeant. Donc il y a les populations des dirigeants qui peuvent être aussi stressées, il y a les populations de managers, puis après il y a les salariés. N'empêche que cette surcharge, elle fait l'objet souvent d'une tension dans l'organisation et peut-être qu'il y a besoin là d'un révélateur, parfois extérieur, pour essayer de dire un peu quels sont les... Ça peut être des problèmes simplement d'organisation. À ça, on le voit, je pense à une entreprise de 200 personnes dans le secteur des high-tech, on était intervenu, où il y avait là un modèle un peu de ce qu'on appelle de lean management qui avait été mis en place, mais par contre, pas partagé. Donc ça c'était perçu par les salariés comme étant imposé par le haut et non discuté, voire non discutable. Donc il y a bien à un moment donné un renouer, là encore, les liens du dialogue, hein, entre les salariés qui étaient dans ces ateliers et puis la nouvelle direction qui était arrivée dans une entreprise high-tech, venant plutôt du secteur automobile, sachant que le secteur automobile, c'est un secteur justement où les lignes managers, imposaient ce modèle de production. Donc là, à un moment donné, voilà, il faut conserver du temps un peu pour cet échange et puis pour voir. Alors ça se fait, donc là ça a été une action qu'on a menée bien sûr conjointement avec le CHSCT, quand même à la demande du CHSCT, parce qu'il y a eu un accident cardiaque gravissime quand même dans l'entreprise. C'était la réorganisation. Ouais, là où vous dites qu'il faut essayer d'agir avant pour éviter justement ce genre de problème. Ah ben, je crois que, on avait été ensemble synthèse, sur le PRST 2, sur le maintien dans l'emploi. Bien sûr, il y a ce que j'appellerais des situations d'urgence et de vigilance pour le maintien dans l'emploi. Hein. 2, il y a des situations de prévention. Et ce qui fait la différence avec les entreprises qui ont une responsabilité sociale, et non pas forcément sociétale, c'est celles qui anticipent. C'est-à-dire qu'en termes de politique et de stratégie, à un moment donné, elles voient beaucoup plus loin que le strict périmètre, même je dirais, de la prévention. Exemple très concret, les entreprises de propreté ont démarré par les éco-produits, puis petit à petit ont sensibilisé des salariés au niveau national, et la branche complète a pris à bras le corps alors, forcément, il y a certainement des endroits où ça peut-être pas été, c'était moins bien que dans d'autres, mais d'une façon générale, la profession a pris à bras le corps cette RSE en disant ça va devenir, nous, notre projet politique de branche. Et à partir de là, on essaye de phaser un projet sur 3 à 5 ans. On parle d'environnement aussi, du coup, d'environnement et travail, voilà. Ça doit vous plaire, ça, Paul Frimat. Je sais que vous vouliez intervenir. Non, juste, c'était pour rebondir sur ce que dit Christian. Emmener du travail chez soi, c'est pas pathologique. Je veux dire, en fonction des postes ou des métiers ou des responsabilités, un certain nombre d'entre nous l'ont fait. La vraie question, c'est la latitude décisionnelle. C'est nous qui voulons emmener du travail. C'est pas le patron qui dit « il faut que tu emmènes du travail chez toi pour ». Sachant qu'il ne faut pas être naïf. Si je suis représentant de commerce ou si je suis, le responsable marketing d'une boîte qui est en train de négocier un contrat lourd, on comprend bien qu'il y ait des timings qui fait que. Mais c'est vrai que derrière, c'est savoir gérer son temps. j'avoue très humblement que j'ai toujours travaillé 2 heures le dimanche après-midi au calme pour en particulier faire un certain nombre de choses élémentaires de type courrier, gestion, etc. etc. Mais ça fait partie de l'organisation, de mon organisation. Moi, en tant que médecin du travail, quand je discute avec les responsables d'entreprise, les cadres ou les managers N-1, -2, -3, -4, puisqu'ils sont toujours managers de quelque chose, je leur demande toujours comment ça va, blablabla, et le sommeil, comment il va? Ah ben alors, ça va plus ou moins bien. Il faut dire qu'avec les nouvelles technologies, ça va beaucoup moins bien. Mais ça, c'est un autre problème. Un des paramètres qui m'a toujours fait tilt dans l'oreille, c'est quand la personne me dit « Oh, vous savez, docteur, ça va, je dors bien. Oui, je dors bien, je dors bien. De toute façon... » Mais ce qui me gêne, c'est que quand je me réveille à 2h ou 3h du matin, bon, ce qui n'est pas anormal de se réveiller, tout de suite, je pense à l'entreprise. Je me dis « Il faut faire ci, il faut faire ça, etc. etc. » Et puis, j'arrive plus à dormir. Ben là, moi, c'est toujours ma conduite à tenir. À partir du moment où, en pleine nuit, sauf si vous êtes en train de négocier le contrat du siècle, ça, je peux concevoir que vous avez intérêt, effectivement, à le négocier. Mais si toutes les nuits, vous rêvez de votre entreprise, je pense qu'il faut aller voir votre médecin traitant. Parce qu'effectivement, là, vous avez dépassé le cap. Et vous êtes effectivement dans une surcharge, vous ne savez plus prendre le recul. Et c'est toujours, j'allais dire, cette organisation, cet équilibre, cette latitude décisionnelle. Alors, facile à dire, pas facile à faire. Mais encore une fois, on a effectivement un certain nombre de postes de travail où, comme vous le disiez, ça ne se pose pas, ce type de questions. Et puis, il y a un certain nombre de postes où on est effectivement responsable d'eux, ou manager d'eux, avec un certain nombre de responsabilités. Et donc, c'est à nous de nous protéger. Il faut effectivement apprendre à... Et pas toujours facile, mais il y a des techniques, j'allais dire, sur le plan psychologique pour arriver à reprendre du recul par rapport à certaines choses, et puis à savoir dire non, je ne fais pas. Bon, la prochaine fois, je vais marquer sur mon mail, il est 22h, je ne te réponds pas. Il faut mettre vos heures de boulot aussi, pour préciser ça, en fait. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez envie de dire des choses sur ce qui a été dit? Des questions à chacun de nos interlocuteurs, à tous les quatre, ils sont avec nous encore un moment. Voilà. Mettez-vous debout, juste pour qu'on vous repère bien. Voilà, non, allez. On vous passera le micro juste après. Allez-y. Je vous le passe après. Allez-y, madame. Si, allez-y. Honneur aux dames. Non, non, non. Bien, on a beaucoup parlé d'entreprise, bonsoir, on a beaucoup parlé d'entreprise, moi je suis profession libérale, alors j'ai fait un énorme effort pour venir à 18h, quand j'ai vu que la réunion ne commençait pas à 18h, alors j'ai commencé à m'impatienter en me disant mais je serais mieux au travail en train de continuer, et en fait c'est passionnant de vous écouter, sauf que, alors vous avez bien posé les bases du pourquoi on n'arrive pas, et je comprends pourquoi je n'arrive pas à concilier vie professionnelle et vie personnelle. Par contre, mais peut-être que je me trompe, j'arrive pas à trouver des cas concrets, et notamment la réponse du comment. Comment moi, parce que au-delà de la vie professionnelle, j'ai une activité publique, des associations, le sport. Heureusement, je me dis, j'ai pas d'enfant, parce que je ne sais pas comment je ferai, mais j'arrive pas à entendre les réponses. Alors c'est plutôt pour ça que je suis venu ce soir. Comment concrètement je peux faire dans ma vie quotidienne pour concilier vie professionnelle et vie privée? Moi j'ai juste une question. Vous êtes en souffrance? Vous souffrez de ça? Ça vous pose problème? Je suppose mon entourage, ouais. Plus que moi en fait. Ah. Parce que, mais moi aussi au fond, je me dis que dès que j'ai 10 minutes... devant moi, j'arrive pas à regarder la télé, il faut que je profite, j'optimise, il faut que je sois toujours à l'affût du temps libre en fait, pour travailler ou pour faire autre chose, mais c'est plus mon entourage qui en souffre que moi-même. Qui veut répondre ou en tout cas dialoguer avec monsieur Christian Alliès? Alors une réponse, c'est pas de... On a... Allô, 1, 2, 1, 2, 1, 2... Je ne peux pas vous donner le lien, sinon je dois tout décrocher. Si, voilà. Parfait. Ma réponse, c'est qu'il n'y a pas de réponse, puisque si on rentre Je pense à l'exemple de la TPE que je prenais la fois dernière, qui était passée de 5 à 20. En réalité, c'est à partir peut-être d'un échange. Il n'y a pas de réponse universelle, en réalité, sur la qualité de vie au travail. Il y a la réponse qui est co-construite. Alors peut-être si vous êtes en indépendant avec vous-même, et auquel cas, je dirais, alors ça peut être un échange éventuellement avec un coach ou autre, parce qu'il y a un effet miroir, bien souvent, qu'on a dans les organisations, qu'elles soient petites, individuelles, en libéral ou autre, hein, pour que vous puissiez trouver des solutions. Il n'y a pas de réponse universelle. Je crois que toutes les pratiques que l'on peut avoir sur les conciliations de vie et temps privé sont tellement riches de toutes les ressources que l'on a autour de la table, que moi j'aurais tendance à dire, j'ai pas de réponse universelle. Il peut y avoir, par contre, on peut prendre un échange d'une heure pour peut-être contribuer à ce que vous y voyez plus clair. Voilà. Alors, juste pour moi, vous avez à la fois la chance et la malchance. La chance d'être indépendant. Donc, j'allais dire, c'est vous votre propre organisateur. Mais la malchance, dans le sens que, j'allais dire, il n'y a pas de normes, et ainsi de suite. Et là, je rejoins Christian. Il faut, j'allais dire, il y a un travail à faire sur vous pour arriver effectivement. J'allais dire, pourquoi je suis toujours en train de courir à pied perdu? Pas méchant ce que je dis, hein, mais j'allais dire, j'ai toujours besoin de faire quelque chose. Et on peut concevoir qu'effectivement votre entourage, ben, vous êtes content, vous êtes satisfait peut-être. Et on peut concevoir effectivement que l'entourage, ils sont en difficulté. Et là, je vous rejoins. Est-ce que c'est du coaching ou autre? Moi, j'avoue que j'allais dire, s'il y a peut-être des choses à faire pour vous aider à. Hein, mais je veux dire, l'important, c'est que vous vous épanouissiez et que votre collectif autour de vous s'épanouisse. Donc, il faut trouver le juste équilibre. Enfin, tu veux peut-être rajouter quelque chose? Oui, je me disais que le travail apporte un certain niveau de bien-être et que du coup, on y revient. Et que ce travail apporte à nouveau du bien-être. Mais que c'est comme du chocolat ou peut-être d'autres formes d'addiction douce. À un moment donné, voilà, on y revient et on passe d'une situation qui était une situation de bien-être, de satisfaction, d'accomplissement, à une situation où on continue le geste, mais on ne se satisfait plus de sa journée de travail, des heures normales de travail. Et on glisse du coup vers autre chose, qui est la dépendance au travail, en fait, tout simplement. Comme on a la dépendance aux nouvelles technologies qui peuvent se cumuler. Et là, effectivement, la première chose, c'est de faire le point, de se dire, voilà, est-ce que j'arrive encore à mettre des frontières, est-ce que j'arrive à m'arrêter quand j'ai décidé de m'arrêter à telle heure? Voilà, ce sont des petits indices qui vont permettre de faire le point sur son rapport au travail. Est-ce que je peux partir en congé et couper complètement? Voilà, sans les nouvelles technologies. Voilà, ce sont des questions qu'on peut se poser. Après, sur la question des réponses, effectivement, on n'a pas de réponse toute faite, mais par rapport aux situations de risque, il faut toujours reprendre les différents niveaux. Il y a des réponses au niveau organisationnel, en rapport avec la prévention primaire, donc l'organisation à mettre en place des politiques, des plans d'intervention suite au diagnostic de risques psychosociaux. Donc il y a des réponses à adapter en fonction des risques majeurs, des risques qui reviennent le plus dans les entreprises. Si on a un taux d'épuisement important, je pense aux hôpitaux, voilà, il y a vraiment des plans à mettre en place sur l'épuisement professionnel. Ensuite, il y a d'autres niveaux, le niveau psychosocial. Comment est-ce que les équipes fonctionnent? Comment est-ce que les personnes fonctionnent entre elles? Est-ce qu'on a de l'entraide? Et ça, c'est toute la citoyenneté au travail. C'est la manière dont on traite les collègues et dont on respecte aussi les collègues. Et ça, ça s'apprend aussi. Hein. Parfois, on a oublié. Dans les mails, on ne sait même plus, à la fin, mettre une formule de politesse. Voilà, ça se réapprend. Et voilà, la citoyenneté organisationnelle, c'est aussi un concept. En France, on va parler aussi de prosocialité, prosocialité de production, prosocialité de propriété, prêter son matériel aux collègues, prosocialité politique, c'est-à-dire dire du bien de son entreprise plutôt que de toujours se plaindre de son entreprise. Il y a aussi des prosocialités interindividuelles, c'est-à-dire avoir un esprit civique, s'entraider entre collègues. Ce sont tout un ensemble de conduites qui concerne le niveau psychosocial. Donc ce sont des réponses pour, par exemple, faire face à la charge de travail. C'est déléguer et puis s'entraider. Hein, ce sont des choses assez simples, mais qui doivent être remises en place. Mais ça n'est pas facile parce qu'on est dans un univers qui est voilà, compétitif, avec un management où chacun se surveille, donne le benchmark, et où on doit aussi comprendre que si on continue comme ça, dans la compétition, dans le benchmark, et puis à un moment donné, le climat se dégrade, on finit par harceler, et puis l'entreprise, de toute façon, n'est plus performante. Le bien-être est lié à la performance. Et puis il y a le niveau bien sûr du poste de travail, étudier le poste pour améliorer, puis le niveau individuel où là effectivement il y a aussi des solutions qui sont liées à, par exemple, le fait de savoir dire non, c'est l'assertivité, savoir dire non, j'ai une charge de travail trop lourde, je ne peux plus prendre en charge ces commandes, ces choses qui arrivent par le biais de mails, par le biais de, voilà, de communication téléphonique. Donc savoir expliquer, non pas se justifier, mais expliquer où on en est et dire, voilà, j'ai ça, 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 et au niveau du timing, voilà, ça n'est pas possible de placer cette mission-là et de prendre en charge cette mission. Donc, en parallèle aussi, savoir déléguer, hein, parce qu'il y a d'autres techniques, il y a des gens qui vont se mettre à agresser en disant, c'est pas possible, j'en ai trop, il y a des gens qui vont se mettre à manipuler en disant, tiens, cher collègue, est-ce que tu peux prendre en charge cette mission-là, et puis parfois aller récupérer à la fin. Voilà, donc c'est une position assertive au travail qui permet, voilà, de stopper les commandes, mais aussi de se positionner. Et puis au niveau individuel, il y a aussi bien sûr l'estime de soi, hein, qui va permettre à la personne de se protéger et de poser des limites. Enfin, il y a un ensemble de facteurs individuels qui font qu'une personne va savoir ou pas mettre des limites par rapport aux conditions de travail. Qui sont les vôtres personnels, puisque vous disiez que vous étiez travailleur indépendant, hein, c'est ça, monsieur, vous êtes autonome. Moi, je vais vous donner juste mon ressenti. J'ai l'impression que vous n'en souffrez pas, c'est autour de vous. Vous, ça, vous êtes dans l'hyperaction, puisque vous disiez, je fais du sport, je fais plein de choses à côté, enfin, il me semble. Oui, non, c'est ce que je vous ai dit, oui. Ouais, c'est le ressenti que j'avais. L'entourage qui dit, vous t'en faites trop. Oui. À qui vous manquez peut-être un peu, alors, parce que vous n'êtes pas trop là. C'est oui. Ça voilà. Ça se positionne peut-être à un autre niveau, je ne sais pas. Si je peux me permettre, hein, moi je suis pas professionnelle. Lydie, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, non. Donc déjà, pour en revenir à votre cas, je crois que Madame vous a soufflé quelques réponses. Commencez par le B.A.B.A. et essayez de faire un diagnostic. Est-ce que ça, pour vous, c'est une question de dépendance? Si vous arrivez à vous déconnecter, à vous débrancher... Bon, bah voilà, ça veut dire que vous y arrivez, donc que vous n'êtes pas dépendant de ces outils-là. Je pense que c'est déjà une bonne... faire l'état des lieux, c'est déjà une bonne pratique en soi. Maintenant, comme vous êtes indépendant en tête-à-tête avec vous-même, je comprends aussi que vous puissiez vous rendre disponible de par votre activité aux clients et répondre, etc. Alors, moi, j'en profite juste pour rebondir là-dessus. En réalité, j'ai dit que je faisais brainstormer. Hein, donc, des fois, ça veut dire que mes membres, ils reviennent au cours d'entretien ou de réunion avec plus de questions qu'ils n'en avaient en franchissant la porte. C'est un business model comme un autre. Nous, on a essayé d'aborder, on essaye de les mobiliser en termes de stratégie, donc d'avoir une politique de gestion des outils numériques qui soit un peu cohérente partout dans l'entreprise, dans toutes les fonctions, sur la relation client. On avait été sollicité, donc pareil, par des métiers de juristes, donc par définition pour la plupart indépendants, sur le fait qu'ils puissent être sollicités, en plus parfois dans des situations difficiles. Quand vous passez au tribunal, que vous sollicitez un avocat, c'est a priori que vous avez un lourd problème à gérer, et qui étaient sollicités de plus en plus dans l'urgence pour apporter des réponses précises, techniques, pour être à l'écoute de leurs clients, etc. Et qui en fait faisait que les clients, les consommateurs, on est dans des logiques de réponse, de livraison immédiate, quasi instantanée, et qui fait que les clients les sollicitaient en leur demandant une réponse qui pourtant mériterait réflexion, donc du temps, qui les sollicitaient pour avoir une réponse immédiate. Et idem, dans les entreprises, ce qui se passe, la question ce qu'on voit, ce qu'on observe, c'est que Que se passe-t-il lorsque les commerciaux, par excellence, sont en contact direct avec les clients, se montrent de plus en plus disponibles? Que se passe-t-il quand cela déborde sur les horaires, quand cela déborde sur les samedis? Les techniciens également, qui deviennent disponibles grâce aux outils numériques super facilement, mais dont on oublie par exemple qu'il existe déjà dans le Code du travail un mode d'organisation qui s'appelle l'astreinte, par exemple. Donc là aussi, on essaie de mobiliser, de faire prendre conscience aux entreprises qui travaillent avec nous qu'il y a, peut-être une réflexion à étendre jusque-là et jusqu'à la relation client et comment on éduque les clients. Encore une fois, le problème, il n'est pas que dans l'entreprise, en fait, il est sociétal. Donc l'entreprise a des moyens d'action, des leviers d'action, mais le problème est de plus grande envergure. Voilà, vous avez eu 4 réponses. J'espère que vous avez pu trouver quelque chose pour vous. Madame, voilà, à vous, le micro est là. Oui, bonjour, je me présente, je m'appelle Régine Steillard. J'exerce actuellement la profession d'infirmière libérale. Je tiens à dire j'exerce actuellement parce que je n'ai pas fait que infirmière libérale, j'ai également travaillé en hôpital, hôpital à but non lucratif, centres sociaux, laboratoires, hôpital psychiatrique, grande clinique Marie-Laine Longue à Paris, centre cœur-poumon. Donc j'ai fait différentes choses et actuellement je travaille en comme infirmière libérale. J'ai très récemment fait un épisode qu'on qualifie de burn-out, mais que je dirais, moi, de trop-plein, de ras-le-bol, parce que ça fait 15 ans que j'exerce en infirmière libérale, mais j'ai également exercé 15 ans en bloc opératoire. Donc, dans, j'allais dire, infirmière libérale, vous êtes plus isolé. En bloc opératoire, vous travaillez, surtout que c'est un gros bloc opératoire de 10 salles d'opération, vous travaillez en équipe. Et je pense que ça peut arriver, les moments, j'allais dire, de burn-out peuvent arriver que vous travaillez collectivement ou que vous travaillez indépendamment. Je dirais que moi, il arrive à un moment où j'ai travaillé pendant 15 ans de manière équilibrée avec une autre collègue, j'allais dire un week-end sur deux, 15 jours de vacances, 15 jours de travail, et qu'actuellement, en fait, j'éprouve le besoin de travailler autrement. Et qu'en fait, ce déséquilibre, en fait, c'est ça qui est difficile à gérer, de passer d'un équilibre à un autre. Comme, par exemple, je l'ai vécu en bloc opératoire, où on a passé également d'une façon de fonctionner, avec certains horaires, et où on a voulu changer l'organisation, et où ça commençait à poser problème. Alors, je parle au niveau du temps, parce que le temps de travail, en tant qu'infirmière, je pense qu'il y a d'autres professions, ou si on doit finir à 18 h et qu'on vous dit ben, l'intervention n'est pas finie, vous dites je reste. Vous devez savoir dire non. Non, j'ai un rendez-vous. Oui, mais votre chef de bloc vous dit non, j'ai personne pour te remplacer. Donc vous vous retrouvez en frustration. Vous restez, il y a le patient sur la table, c'est la priorité. Et vous vous passez en second. Vous le faites une fois, deux fois, trois fois. On vous donne la, comment dirais-je, si vous avez un échange et que en contrepartie, vous aurez votre après-midi, vous avez un équilibre. Quand vous ne trouvez pas la contrepartie, il y a le déséquilibre et il peut y avoir le burn-out. Je pense à moi, une expérience en salle de réveil où je surveillais. Il y a aussi ce que je veux dire quand on est addict au travail ou quand on est performant. Je surveillais un patient, 2 patients, 3 patients, 4 patients, 5 patients, 6 patients, performant. On vous en met un 7e derrière. Vous dites stop, je ne veux plus retourner en salle de réveil. Et on vous dit, mais on n'a personne. Voilà, donc c'est des gestions qui sont extrêmement délicates. Je dirais qu'également, en libéral, je l'ai vécu, c'est concret. J'arrive chez une patiente, elle n'est pas bien, j'appelle, on ne peut pas venir, j'appelle le SAMU, il lui faut quand même le temps d'arriver, ça fait une demi-heure. J'arrive en retard chez les autres, ils ne sont pas contents. Donc il y a une gestion, j'allais dire de l'humain aussi, la compréhension, du dialogue et vraiment de ce qui est concret, j'allais dire au quotidien. J'en reste là parce que j'ai également travaillé 2 ans sur un service qui était obsolète, pour lequel on m'avait demandé de faire un projet de rénovation. J'ai mis 2 ans pour, j'allais dire, présenter mon projet au directeur de l'établissement. Ça s'est fait sur 2 ans, avec des moments sympas, des moments plus difficile, mais là aussi j'ai eu l'expérience de ce qu'on pourrait appeler limite burn-out, où on dit j'en peux plus et où derrière on dit oui mais voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci pour votre témoignage. Il y a des métiers où c'est plus difficile que d'autres d'organiser, puisque c'est là le sujet, et d'avoir une vie privée correcte. Je vous laisse intervenir, réagir, qui le souhaite. Je crois que merci pour votre témoignage, mais c'est la réalité. Et je crois que vous l'avez très bien analysé. Et la vraie question qui est derrière, et ayant été chef de service dans un service hospitalier, c'est vrai que ce n'est pas toujours facile à gérer. Mais là où je vous rejoins, c'est qu'il faut reconnaître, j'allais dire, ce temps, cet investissement, etc. Et qu'il faut essayer de trouver ce juste équilibre par rapport à ses salariés. Après, j'allais dire, en tant que personne, je ne vous connais pas, mais vous avez su dire non à un certain moment, vous avez su dire changer d'orientation. Comme je dis aussi parfois quand je forme des internes pour la médecine du travail, même si notre spécialité est un peu la 50e roue du chariot, certains disent je choisis la médecine du travail parce que c'est 9h midi, 2h, 3h. Donc c'est normé. Je leur dis peut-être. Certains me disent c'est bien la médecine du travail, c'est parce qu'il n'y a pas d'urgence. Alors là déjà, il n'y a peut-être pas d'urgence au sens traumatique, mais il y a des urgences au sens psychologique. Puis il y en a d'autres qui me disent « Oh, je choisis médecine du travail parce que c'est une médecine calme. Il n'y a pas de conflit. » Alors je leur dis tout de suite « C'est foutu. Si tu ne sais pas gérer des conflits, arrête tout de suite. » Et c'est vrai qu'une des difficultés, et pour en tant qu'infirmière, je vous rejoins, comme je dis toujours dans mon langage, quand je forme, je dis aux gens de santé, nous ne sommes pas l'assistante sociale du monde entier. Dans le sens que des choses difficiles, on le voit, on le sait, on essaye d'assumer au mieux dans la rigueur du métier. Mais il faut savoir se protéger, hein. Sinon on ne tient pas. Et c'est ce que vous avez fait. Il y a des moments où on craque tous, ne vous inquiétez pas. On craque tous, on craque tous. Non, non mais on est d'accord. Mais c'est un signal d'alarme aussi, c'est intéressant. Voilà. Voilà. Merci pour votre témoignage et vos questions. Vous voulez ajouter quelque chose? Allez-y, Pascal. C'est vrai que sur le burn-out, à l'origine, hein, il a bien été mis en évidence que c'est un phénomène qui apparaît plutôt dans les métiers de relations, travailleurs sociaux, médecins, infirmiers, psychologues aussi. Et il y a une chercheure qui s'appelle Alaya Pines qui dit qu'en fait, pour être brûlé, il faut d'abord qu'il y ait eu une flamme au départ. Et finalement, cette flamme, c'est la motivation et la passion qu'on a au départ, au début de sa vie de travail, pour un métier qui a un enjeu souvent important, c'est de sauver, d'aider, d'accompagner, de permettre à d'autres de grandir, de retrouver la santé, etc. Donc il y a cette flamme au départ, et cette flamme, à un moment donné, effectivement, finit par brûler et ronger de l'intérieur. Et il y a l'image de ces immeubles dont la façade paraît encore voilà, intacte, mais des immeubles qui sont incendiés de l'intérieur. Et donc, la passion au départ pour le métier et la conception que l'on a de son métier, le sens que l'on donne à son métier peut être à un moment piégeant. Et effectivement, au niveau identitaire, il y a parfois une réflexion à faire, à creuser sur quel est l'enjeu de son métier, qu'est-ce que l'on cherche dans sa relation à l'autre. Et effectivement, avoir à un moment donné peut-être une position voilà, d'humilité en disant voilà, j'ai mes limites. Et effectivement, parfois, c'est le corps qui s'effondre et qui dit voilà, tu ne m'as pas entendu, donc moi, voilà, moi je m'arrête, c'est tout. Je ne t'écoute plus. Parfois, c'est le cœur, donc effectivement, qui dysfonctionne complètement. Et parfois, on continue à ne pas écouter et ça va plus loin. Donc, voilà. Savoir écouter. Pouvoir s'écouter, pouvoir être à l'écoute de son corps, mais aussi réfléchir au sens du métier et à l'identité. Voilà, prendre le temps de réfléchir. On va prendre le temps d'une question encore, s'il y en a une, si vous le souhaitez, parce qu'il est tard pour tout le monde, et on va jouer le jeu du sujet. Voilà, il y a une question là. puis ensuite vous donnerez le mot de la fin. Alors, je suis désolée, c'est encore une question sur le burn-out. C'est vrai que ce n'est pas forcément le sujet du jour, mais c'est quand même intéressant. Moi, j'avais une question qui est comment reprendre après un burn-out? Alors, ça, c'est une vraie question. Et comme je disais à notre journaliste bien-aimé, nous allons refaire une conférence sur la problématique du burn-out. C'est très difficile de reprendre, parce que tout va dépendre un peu des circonstances dans lesquelles ce burn-out est arrivé. Dans le sens que si vous êtes, par exemple, indépendant, c'est bien votre propre organisation qui a fait qu'on ne s'est pas écouté, blablabli et blablabla. Donc là, il y a tout un accompagnement, une aide psychologique. Il faut se faire traiter quand on a un burn-out. On ne peut pas se traiter tout seul. Donc il y a effectivement cet accompagnement qui peut se faire. Le problème après, c'est quand vous avez des burn-out dans un collectif de travail, c'est comment le collectif de travail a ressenti votre difficulté. Si effectivement vous êtes perçu comme étant une personne faible, vous l'avez peut-être été, mais on l'est tous à un épisode de notre vie. Il y a des moments où on va effectivement craquer. S'il n'y a pas de soutien particulier, et là ma collègue de psychologue pourra en prendre, c'est vrai que dans un certain nombre de cas, reprendre son activité de travail sur les lieux même du travail pour faire la même chose, c'est compliqué. Et c'est là où c'est vrai que si on est dans une petite entreprise, il peut y avoir éventuellement le collectif du travail qui peut aider, mais ça peut être l'inverse aussi, il ne faut pas être naïf. Dans une grande entreprise, il faut essayer de trouver des solutions dans d'autres branches, dans d'autres ateliers, etc., etc. Mais c'est long, minimum 6 mois. Et il ne faut surtout pas reprendre trop vite. J'ai vu trop de cas, je le vois encore un burn-out lié à l'organisation du travail, alors que l'employeur avait essayé de bien faire, mais ça a été vécu comme. Elle a voulu reprendre, j'ai tout fait pour freiner. Elle a repris, elle a vécu les éventuels changements comme étant encore une contrainte particulière, et elle a recraqué, et elle a fait une rupture conventionnelle. Personnellement, j'ai raté. L'employeur n'est pas satisfait, parce qu'à la limite, il était prêt à vouloir la garder. Mais c'est vrai que derrière, c'est un coaching permanent, un accompagnement permanent, à la fois des psychologues, des psychiatres, de l'équipe santé-travail. Mais c'est compliqué. Et je peux comprendre, si le burn-out est lié à l'activité de travail, je peux comprendre la demande d'élus qui disent ça devrait être reconnu en maladie professionnelle. Mais ça peut l'être. Mais là, j'aurais tendance à dire on répare. La vraie question, c'est comment on prévient, c'est ce qu'on essaye de faire, et puis comment on essaye de maintenir, parce que c'est pas parce qu'on a été réparé qu'on est incapable de travailler. La problématique du burn-out, à partir du moment où le coaching a été bien fait, le traitement a été bien fait, la personne retrouve une estime de soi sur un certain nombre de paramètres. Ce qu'il ne faut pas, c'est que ça se redéséquilibre. Donc comment je fais pour maintenir cet équilibre? Facile à dire, pas facile à faire. Hein. Mais derrière, c'est encore une fois un accompagnement individualisé. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Non, non, je suis voilà. Tout à fait d'accord, oui, oui, tout à fait. Ouais, c'est revoir son rapport au travail, parce qu'effectivement, quand on veut reprendre trop vite, c'est qu'il y a aussi ce besoin de retourner dans l'univers du travail, mais voilà. Voilà quelques éléments de réponse en tout cas. Avant de vous proposer d'aller boire un petit coup, puisque c'est le principe, il y a un cocktail, et de participer à des ateliers gym douce, yoga et sommeil. On va pouvoir parler de ça encore un petit peu en dehors de cette rencontre. Vous allez repartir par là-haut, prendre votre petite fiche qui sont sur vos sièges et les remplir si vous voulez bien. Ça nous permet d'avoir un degré de satisfaction et de faire encore mieux la fois prochaine. Avant tout ça, je voudrais que chacun ait son petit mot de la fin sur comment concilier vie professionnelle et vie personnelle, puisque c'est le sujet. Allez-y, qui commence? Allez-y, Christian Alliès, voilà. Qu'est-ce que vous diriez? Qu'est-ce que je dirais? Bon, voilà, par rapport à ce que je viens d'entendre comme question, s'il faut concilier vie professionnelle et vie privée, j'aurais tendance à dire, on part souvent du principe que le monde du travail, c'est le monde du souffrir, je ne le pense pas, hein, que celui de la vie privée, c'est celui du plaisir. Eh bien, peut-être que concilier les deux, c'est celui du désir, c'est-à-dire je décide, à un moment donné, de ce que j'ai envie pour concilier mes deux. Voilà. Lydie ? Alors, ça rejoint un petit peu ce que vous dites. Concilier vie privée, vie professionnelle, alors au regard de ce qu'on a pu étudier, nous, sur l'usage des outils numériques, c'est qu'il faut à ce moment-là que ça parte aussi de l'envie et du besoin du salarié, et pas du tout, comme on a pu dire, que ce soit la nécessité de ramener du travail à la maison, et pas que pour réussir à rapporter le contrat commercial du siècle, et que ce ne soit pas récurrent. Ça, c'est une première chose. Et puis aussi, c'est quand même s'interroger sur ce qui nous va bien et ce qui va peut-être moins bien convenir aux autres. Encore une fois, je crois qu'il faut que les gens soient aussi moins auto-centrés et se disent qu'ils sont générateurs eux-mêmes de contraintes. Pascal Desrumaux, si vous voulez bien. Oui, donc rester attentif à ses besoins, les trois besoins fondamentaux, affiliation, autonomie et compétences. Chercher à aller vers l'accomplissement en restant en accord avec ses valeurs, donc essayer d'aller vers le bien-être, et le bien-être, c'est effectivement avoir cet équilibre, c'est être bien avec soi, c'est être bien dans sa relation avec les autres, c'est aussi pouvoir se projeter, pouvoir aller de l'avant dans l'avenir, et voilà, donc aussi être reconnaissant et parfois avoir de la gratitude par rapport aux choses positives qui nous arrivent, qui nous permettent aussi, voilà, de retrouver un certain nombre de ressources. Et prendre le temps de faire du sport et méditer. Voilà, on est sur le concret, là. Cher Paul Frimat. Ah ben, tout a été dit. Donc, la vraie question, il n'y a pas de micro s'il marche, c'est effectivement essayer d'avoir cet équilibre. D'équilibre de vie, équilibre personnel, équilibre travail. Et puis après, éclatez-vous. Vous arriverez effectivement à être équilibré. Merci à vous quatre, en tout cas, pour cette participation. Merci à vous beaucoup d'avoir été très attentifs. J'espère que vous repartez tous avec des éléments. Et puis on se retrouve, et puis vous retrouvez nos interlocuteurs. Je pense que vous allez aller là-haut. Cocktail, vous repassez par là, et il y a des ateliers. Merci de remplir les petites fiches, ça nous rend vraiment service. Rentrez bien, bon retour à la maison et au boulot demain. Unchain my heart.